D'abord, watu wa mingi mutasema pale, we dama saa uko natafuta kusema vya mamariaje, uko natafuta kusema vya vya mabunyumba, eske we konjo kuna bunyumba, bunyumba se kwa, bunyumba na riena, bunyumba ni nini, bunyumba ni relasyon, bunyumba ni relasyon, ima relasyon tu tunakuwaka nayo ya kope na kopine, bibi na bwana amureze, munaikala muku mnafanya relasyon, ninjo bunyumba. Hakuna ya riende special. Bunyumba iye munatupigia katolo hapa kila siku ase bunyumba bunyumba. Ni nyie tu munaenda tu kuongeza tu papier kulega munaenda kulegalize. Mais toute relation amoureuse a de même challenge. OK? Toute relation amoureuse iko na même challenge. Na iko aseme mtu tu njoo ifoko mbunyumba juu ajue kupana mashauri yenye ita edifie basi wenye biko mbunyumba. Hapana. Juba mingi munaenda kamata mashauri ku eglise mbele mufanye mariage. Ule sango mwenye anakuwa kule ku eglise, ule prêtre, iko marie, haiko marie, me munaenda kamata manani ma matea kwa ule prêtre, n'est-ce pas? Batu bena mapanaka matea hapa ya banakuwa bana pana mashauri hapa ya makuple ya manini. Sana rien affaire aseme kama kuna bunyumba ama hapana. Il y a des gens qui vont étudier pour ce genre de choses. Il y a des professionnels, kuko ba professionnels hapa Bulaya, c'est un travail qui paye. Les gens vont étudier pour juu ya ku comprendre comment est-ce que l'homme évolue mou ma relation. Comment est-ce que l'humain a réfléchir mon psychologie yake? Tout ça. Nenjo vitu binatumaka mutu anaweza kupatia conseil ya bunyumba ama kuishi mu relation n'importe quelle relation. Ju bunyumba na relation yote ingine c'est sont de même, c'est une relation d'abord, c'est une relation. Donc comment savoir gérer ou bien marcher dans une relation? C'est tout. Ça n'a rien à faire à ce mot. Wewe uko bunyumba. Wewe unaweza kutupatia conseil ya bunyumba. Wewe unaweza non, ça n'a rien à faire. C'est seulement comprendre les relations humaines. Les gens qui étudient pour ça, ils sont professionnels. Ils sont panaka, mamate ya kubatu, ya ma couple. Ça n'a rien à faire avec kukwa na bunyumba ama apana, ok? Bon, c'est un peu ça. Jumi na joba mingi muna kwa na domo, mutanja kusema sema hapa biyabina mana. Wewe teza kupatia batu ma conseil. Wewe teza kupatia batu ma conseil. Ndaba patia ma conseil. C'est apprendre ou à laisser. Si forcer mutu. C'est apprendre ou à laisser. Kama kuna akili, utafungula masikio, utakamata ka en ama ka de, utaka aplike kama kata kusaidia, c'est une bonne chose, ok? Juu mutu mweko na akili, anasikia kata mutoto mudogo. Mutu mweko na sagesse, mima sawa, mina sikia kata mutoto mudogo. Mutoto wa senka kianja kusema hapa, mine kalaka chini, niko na musikiza. Mubile biolo mtoto wa senka tasema, ndatosha mwata kitu moya mambili. Vous comprenez? Donc, mutu wa akili, mwenye kona sagesse, anafungula masikio, anasikiaka. Haanjake kukritike mbele asikia ta conseil, ok? D'abord, tuanje sasa. Bon, ugomvi. Ma ugomvi, minaona ba papa ba mingi biko nafanya ma video biko banalia. Ba mama biko nafanya ma video biko banalia. Tulifika hapa aye kuima probleme ya ma ugomvi sana mu ma jamaa. Ok? Je vais vous expliquer quelques points, ce que moi je comprends. Je vous dis ce que je comprends. Ok? Maintenant, c'est à vous. Mu comprendre vinye, munapenda comprendre. Kila mtu tangalia bi ata comprendre na vinye ata comprendre. Ok? Je vais vous expliquer ce que moi je comprends, ok? Parce que mie, je comprends les relations, ma relation yote, relation à famille, relation ya amoureuse, relation ya kaka na dada, relation à kazi, relation, même bunyumba nayo ni relation. La plupart de vous ne traitez pas comme une relation parce que vous prenez tout on granted. Ça veut dire kitu yote ilishakwa kwa eloko ya pamba kwa, eh? Bunyumba ni nini? Tutaingia tu pale, tutakuwa tunapendana, tutakuwa tunalala ensemble, tunapiga, tunakula, tout ça. OK. Si vous prenez ça comme ça, la plupart de vous, njoma na ma recette ziko zinakuya mu maeshek, ok? Donc moi je vais vous expliquer quelque chose, certaines choses, et puis nous allons avancer, ok? La plupart des gens, tuko tunafanya ma confusion sana, kusema famille, ma famille zina haribika, bunyumba inaribika, amour, mapenzi inaribika, et tout. Il faut d'abord tujue ma différence entre ces choses, ok? Famille, iko autre chose. Mariage, iko autre chose. Amour, iko autre chose. Na divorce, iko autre chose. Je vais d'abord vous donner la définition de la famille. Mais, concept yangu, ya définition en famille. Ok? Concept yangu, ya définition en famille. Famille, c'est une organisation. Une organisation, comme toute une organisation, là où tout le monde a un rôle à jouer.
Unasikia? Famille njo ni organisation. C'est une organisation. Mouine organisation kila mtu anapaswa kujua role yake ya mufamie ni nini. Okay? Kama uko baba unapaswa kujua role yako, kama uko mama unapaswa kujua role yako, kama uko mtoto unapaswa kujua role yako. Kama uko shangazi unapaswa kujua role yako, kama uko na la menano parlons de la famille traditionnelle. Famille traditionnelle ni famille ya baba, mama, batoto. C'est comme ça la famille traditionnelle est composée. Tangia watu walikuwa wanajua banasemaka famille, on regarde la famille traditionnelle, baba, mama, batoto, n'est-ce pas? Mais nous sommes aussi dans la modernisation, là où la famille aussi a changé. Famille haiko tena tu ile ya baba, mama na batoto. Shanga famille ilishaka kuwa kuko batoto benye banakomala mu ma famille, par exemple kuba tate, kuko batoto benye banakomala kuba shangazi, kuko batoto benye baparamba alikufaka baka bawacha mu ma famille yabo ingine. Ça veut dire famille leo iko baneza kuideterminer mu mafaso ingine. Famille neza kuwa mutoto mwenye alikomala kubaza kuba tate. Ça veut dire bale batate njo bali assumer. Bali assumé, comment on dit, il est rôle ya bazazi, n'est-ce pas? Donc famille aussi ça vient, famille na kuyaka muma différents formes quoi, vous comprenez? Ma famille a Léo, ok? Mais nous parlons ici de la famille traditionnelle, on va parler de la famille traditionnelle, baba, mama, batoto. Ça veut dire qu'il a mutu d'abord, c'est une organisation là où tout le monde joue un rôle et tout le monde doit savoir sa place et tout le monde doit aussi assumer ses responsabilités. Il y a ma rôle, il y a que moi les jama, ok? Famille c'est quoi encore? Famille aussi c'est quelque chose, c'est là où on doit trouver la paix, là où on doit trouver l'amour. La famille ni fasi kwenye batu banaendaka kujirassure. Unajua kama hapa njo kwenye fasi kwenye bananipendaka, hapa njo fasi kwenye bananitikaka. Hapa c'est là où j'appartiens. Famille ni appartenance. Kwenye on appartenir na kuna sentir kama uko accepté et aimé. Vous comprenez? Donc, jo aussi définition ingine ya famille. Donc, jo bamingi baneza kutoka peut-être hakuwaka na baba ama hakuwaka na mama, mais alikomalishua mufamie, mujamaa, kwenye alijiretrouve na mapenzi, bana mupenda, kwenye alijiretrouve, iko na pe, anajiretrouve kuko harmoni na renye pale, njo aussi famille. Ok? Mais malheureusement, mingi, mwema siku, mafamie yetu, batu bamingi abajuake, ça veut dire quoi, concept de famille? Famille, c'est une organisation. C'est simplement toute une organisation là où tout le monde joue un rôle et tout le monde doit savoir son rôle. Ok? Na ile role nye mkumu na jouer, na ile organisation, na là où on travaille ensemble, jumu aboutir ku quelque chose, n'est-ce pas? Ok? Maintenant, je vais vous parler un peu de l'amour. Amour ni nini? Bamingi mounazania ka mukisha owa na vile mounazania seme amour ni sexe. Là où vous vous basez tout le temps, mounakutanana, tuanje kufanya mapenzi, ça c'est mon mari, mounanja tu kuklame mon mari, amour, je l'aime. Amour haiko sexe, amour haiko sexe. Bamingi mounanja kuowa na ju, mounatafuta kulegalize ile sexe, kufanya sasa sexe ikue legal. Apana, amour haiko sexe. Juu kama sex njo ilikuwa kama amour, kama batu bote banauzishaka nabo sex kama balishaka olewa. Munasikia? Amour, définition yangu ya masawa ya amour. Qu'est-ce que je comprends par amour? Ni vouloir le bien-être de l'autre. C'est toujours vouloir le bien-être de l'autre. Ukipenda bien-être ya mwenzako, ça veut dire unamupenda. Hauwezi kutafuta kudetruire mwenye mtu unapenda. Hauwezi kuwa natafuta kumanke respect mtu mwenye unapenda. Hauwezi mtu mwenye unapenda, hauwezi kuwa napenda akue kila siku analumia, kila siku akue nalia, kila siku don asiavance. Amour c'est vouloir le bien-être de l'autre. OK? Les histoires là qui s'ajoutent maintenant mon mariage, inakuwa ma sexe, tout ça, ça n'a rien à faire avec l'amour. Et tout ça s'ajoute. Iko ça uko napiga chakula chumvi, unakamata chumvi, unaongeza chumvi yulu ya chakula. OK? Donc, tu quoi na définir certaines choses un peu ama tu quoi na expliquer batu bakuba na comprendre certaines choses avant tuanze kulilia mapenzi ai marché jamaa inaribika. Non, kama uko ulijimarie na mtu, kama unasema vraiment kama unampenda, kitu ya kwanza unapasha kujiasure kama unapenda bien-être ya ule mtu. Unapenda kuwa en bonne santé, unapenda ule mtu aevolue, unapenda ule mtu akue na santé mentale yake ikue bien, ule mtu asikue na wasiwasi, asikue na lialia, ule mtu le bien-être de cette personne. C'est ça on appelle l'amour. Mais kwetu ni confusion.
Les gens aujourd'hui pensent que l'amour, munaenda kukitanda, munakutanana, mulilala leo ensemble, munafurahi, ah, vraiment nisha mupenda, vraiment nisha mupenda. Non, tu n'aimes pas la personne. Tu aimes les services sexuels que cette personne te donne. Tu n'aimes pas cette personne. Ju hawezi kupenda mtu mwenye unalilishaka kila siku. Hawezi kupenda mtu mwenye unatendeaka vibaya kila siku. Hawezi kupenda mtu mwenye donc unafanyaka vitu ya ku continuer kumudetruire ule mtu. Hawezi, ce n'est pas l'amour ça. OK? Un peu ça, nitafuta kuexpliquer certaines choses avant vraiment ninge comment ça s'appelle? Ninge vraiment mon sujet yangu, ouais, comme ça ça ndanja kubambia vitu vingine hapa tusikuwe mu confusion, OK? Mariage, c'est quoi le mariage? Mariage ya leo, mariage iko na confusion totale mu watu, okay? Mariage ya leo mingi batu bashanja kuoana tu, tuoane juu, dunia inaomba tuoane, okay? Dunia inaomba tuoane, societe inaomba tuoane, ilishakuwa mapresion ya majamaa, ilishakuwa waseme ulichelewa, ilishakuwa donc unaenda kuolewa na ama kuoa bila concept ya mariage. Et c'est ça vraiment qui tue les amours. Na njo benye biko binaua vraiment sasa mabunyumba. Batu biko banaenda kuoa bila kukomprendre concept ya mariage. OK? Les gens se marient pour les raisons qui ne sont pas valables aujourd'hui. Uliolewa tu juu uende kulegaliser sex. Ulikuwa unalala tu na mtu moya, kwenye bananja kuuliza kila siku aseme oh, njoo basi ule mtu tu anakuyaka tu kukwanja kukukula yako, antuka atuone kama atakupeleka fasi fulani, sasa bitakuwa ye. Ale tu te marie pour cette concept. Ce n'est pas un bon concept ya mariage. Qu'est-ce que c'est un mariage? Kama munaenda kuoa na kuolewa na hamujue concept ya mariage, unaenda kujitupa, kujiinvestir mu vitu vyenye haukomprendre. Voilà venir le problème et les conséquences. Mariage ni kitu gani bandugu yangu? Mariage ni contrat ya travail na contrat ya confiance. OK? Le mariage là qu'on vous dit là, oh mariage, utaenda kule, utapendana, tunapendana. Lorsque les gens se marient, habitent ensemble, toutes les histoires là, il est ma rêve. Ça n'existe plus. Ce n'est pas les rêves. Les gens se marient pour les rêves. Ah, il n'a quoi c'est le mariage à Cinderella. Cinderella l'y trouvait prince charmant, akamupeleka, akamupeleka, akampatia mabize, kila siku ni romance, kila siku ni kumunulia manani, ma flere, kila siku ni nini. Les gens entrent au mariage avec les concepts là. Et c'est pourquoi les gens n'arrivent pas à rester dans les mariages. Du ukisha fika mule, unakuta kama ni kazi. Ile concept yako rêve yako yote ulileta aseme ni prince charmant basi bibi ni romantique tu kila siku atakuwa ananifanyia hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa unafika mule unakutana kama realite yenye ko mule ko wengine unakuwa déçu na sio unakuwa déçu una donc inakukase. Sasa inakukase au utafanya tena ma effort juu unajiretrouver sasa mbele ya kazi. Le mariage c'est du travail, c'est un contrat du travail. C'est un contrat de confiance. Travail jua nini? Juu sa munafika mu mariage, kazi inaanza. Mukisha fika mu mariage, munaanza kuishi ensemble. Ile maneno ya majeteme, ah, mina kupendaka, sherini, kwa nakupenda. Bile biyote ni ma bitu yenye inakuwaka sa hamuikale ensemble, kila mtu sa naona mwenzake iko shosho, vrema sa fe insemeni si ya muona, leo vrema nda muona, etu, so naona mwenzako unafurahi, inakuwa ndre sentima, ndre ya mutoto, tusa, ma infatuation. Ma infatuation. Sa munaanza sa kuishi ensemble mwenzangu, munaja kuangalia na hivi, mena ya mena les factures à payer. Nous devons manger. Les enfants doivent aller à l'école. Nous avons des parents qui appellent tout le temps qu'ils ont des problèmes. Juko tu m'Afrique, kule munajua kama ba parents haba kwa ke awona kazi, haba na kazi, donc ça veut dire que nye etena njo munapasha tena kuba kwa na supporter. Il faut mouji soutenir d'abord nye peke, mou soutenir batoto benye mou konabo, mou lipe ma facture zenyu, mou soutenir bandugu yenyu mou Afrique. Sa munafika mou mariage, toutes ces choses là mena se présentent sur la table. Ok? Qu'est-ce que vous allez faire? Pale na kuwa réalité ingine. Pale romance yaishe, yaiko tena. Juu pale sasa munanja kusumulia bitu ya serie. Munakuwa mukazi. Unasikia? Sasa munakuwa mukazi. Kila mtu sana anja kureflechir ma facture. Pale, soko na reflechir bia ma facture. Yusu talipa hivi. Est-ce que ile sa uko mu esprit ya romance?
Est-ce qu'elle sont comme esprit assez chéri, je t'aime, chéri, je t'aime. Ou qu'on a gagné ma 10 000 dollars, il faut mouzilipe, il faut moulipe, il faut batoto basome, il faut batoto baende kumasomo, il faut batoto masomo, il faut hôpital, il faut assurance, il faut nina nini. Moi, ça n'est pas laissé, je t'aime, chéri, je t'aime, chéri, je t'aime, ça existe. Ça n'existe plus. Parce que là, maintenant, vous êtes au travail. Ça veut dire, bandougouyetou. Avec le temps, je vais continuer à évoluer dans ce que je suis en train de dire. Le mariage, c'est un contrat du travail et un contrat de confiance. Du ça, où on a mon mariage, on n'a pas choqué la confiance dans mon tout qu'on aille. On n'a pas choqué la confiance à cause de ma ouille moutou, comme à Léo, ni qu'on a problème, ouille moutou, comme à Léo, mina anguka, ouille moutou, aneza kunishimamisha. Comme à Léo, si na kazi, ni qu'on a mwenzangu mwenye ko pale, iko na kazi, mwenye aneza kushimamisha d'abord, yetu, mpaka sa tunafika, mina pata ingine kazi. Huyu mtu mwenye niko naye hapa iko partenaire wangu, est-ce que huyu mtu niko na confiance naye? Cette personne je n'ai pas confiance, je me sens la sécurité avec cette personne me trompe, anaingiza mtu mwingine mwa couple yetu tout cela. Kama hakuna confiance mon mariage, il y a plus de mariage. Mariage c'est un contrat du travail et un contrat de confiance. Kama hakuna tena confiance, hakuna mariage, il y a plus rien. Juu kama hakuna tena confiance mu mariage pale, hamuko tena mu mariage pale, munabakia sasa mu bitu yenye banaitaka binawakia tu. Bon, on est là, on regarde ce que ça va donner. Ok, on est là, on regarde ce que ça va donner. Juu hawezi kuwa na progresser na mutu mwenye haukuwa kena confiance. La confiance ikishaenda inishaenda. Ok, donc je voulais vous donner un peu signification ya mariage. Ok, parce que juba mingi biko mu confusion totale, on entre dans le mariage parce que on pense que c'est les choses du romantisme. Là-bas, on va m'aimer, tout ce que je veux, chéri, chéri, chéri. Lorsque vous êtes devant au mariage là-bas, les chéri, chéri là, ça n'existe plus. Il est temps de travailler. Les enfants pleurent, les enfants doivent dormir, les enfants doivent se lever le matin pour aller à l'école, on doit manger, maman il faut aller au store, anunue chakula, il faut kupiga. Il faut, c'est du travail. Ce n'est rien de romantique, c'est du travail. Ok? Donc, un peu de cela, ma mentalité zianje ku changer. Djoubat bako na juju, bako na djoua, nous nous mettons dans quoi? Parce que lorsque vous vous mettez dans quelque chose, donc vous vous êtes déjà préparé dans la tête dès le départ, kama mina yenda njo mukazi, utaweza ile kazi. Juu hawende kule na mareve za bongo ya kusema seme o, nilienda kule juu ananipenda, ni romance, atakuwa ananikamula migulu, ananipatia mamasaje, binarudia, binarudia. No. Le mariage, c'est un contrat du travail et un contrat de confiance. Ok? Tunafika sasa ku divorce. Munafika ku divorce pale sasa, divorce ni séparation. Séparation, juu anini, parce que y a un manque. Ok? Sasa ile manke, njo kila mtu anapashwa kujua manke yake ilikuwa nini. Juu, divorce moya, batu wote ba divorce ke mukitu moya. Divorce kila mtu anakuwa na raison yake juu anini ali divorce. Ça veut dire divorce ni séparation. Séparation ilikuya parce que y a eu un manque dans votre relation. Ok? Et ce qui est normal, il doit toujours avoir un manque. Ma manke zingine zinakuwaka vitu vingine muneza kuzikomplete. Munaona gisi muta hamuta enda mpaka kudivorce. Me ma manke zingine zinakuwaka ke il faut tout mwende ku divorce parce que c'est comme ça la nature. Haiko shinjo tulianjaka divorce na haiko shinjo tutamaliza divorce. Ok? Je voulais d'abord vous parler un peu des significations de certains mots avant ça ningie mu bitu yenye nilikuwa natafuta kubambia. Ok? Jua nini mimi nasema tuseme hii si je leo sita kwa kama mimi nasema politique kila siku malgré mnanijua mimi niko combattante ni mtu mnasemaka bia politique kila siku mais je suis convaincu kama hatuwezi kujenga osi majamaa zenye ziko na kimya ama en bonne santé, hatuwezi osi kuenga inchi. C'est pour cela que je ne fais pas seulement la politique, kuko sa moya mina ingia kama ma sujet ingine yenye na concerner société. Unasikia? Ju société malade, une société qui est malade, ça veut dire que ma famille déjà ziko malade. Ju famille yako, famille yangu, famille mwenzetu, famille ule mwingine. Kama shie bote ma famille zetu ziko malade, ju ma famille njo zinafanyaka communauté. Ma communauté njo zinafanya société. Lorsque vous arrivez quelque part, vous trouvez que la communauté ou la société est malade, ça veut dire quelque part ma famille ziko malade. OK? Ça veut dire, c'est bon de faire la politique. Oui, je peux toujours vous parler de la politique. Hakuna bien t'empêcher vile. Mais, aussi politique, iko influencer na ma famille aussi. Du coup, ma famille a ziko bien, ziko malade. Politique nayo ya inchi hayezi kuendelea. Ça veut dire, atuwezi aussi kujenga inchi kama ma famille ziko aussi malade. Ok?
Ce qui est le cas maintenant, ma famille est tous amingi, ma jama aziko na ugonjwa. Les familles souffrent. Il n'y a pas de bonnes choses qui sortent maintenant dans nos familles. Et nous devons regarder comment est-ce que tout anja ku tengeneza. Je ne sais pas, mon église, barabambia kanini, mi si yenda ke mon église. Moi, je ne crois pas vraiment dans les églises. Moi, je suis spirituelle, je ne suis pas religieuse. Je suis spirituelle et je vais vous expliquer parce que Boubamingi peut-être a mouta comprendre bien mina sema. Être spirituel pour moi, c'est la spiritualité. Comment est-ce que j'ai toujours dit aux gens, la spiritualité, c'est avoir une relation avec la vie qui te permet à comprendre ton environnement. Djou, naviguer mon environnement yako. Ok? Mi esiko religieuse, mi esiko mtu tu mwenye anaenda kapale bana anambia amen 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 amen. Haufanye examen, haukomprendre, haujue venye biko. Amen 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 amen. Non, je ne suis pas religieuse. Moi je suis spirituelle. C'est la relation avec la vie. Ju mi minaishi maisha ya dunia. Mi napasha kukomprendre dunia, mi napasha kukomprendre environnement yangu ju nijue kunavigue mwile environnement yangu. Ça veut dire je dois avoir une relation avec la vie. Avec tout ce qui existe, la vie. OK? Donc, si Dieu m'a demandé vraiment ma église, Dieu m'a demandé ma église, mes amis, badala ba mingi benyebiko na ma problème, surtout les femmes. Beaucoup de femmes qui ont des problèmes vraiment ma bunyumba, ni mu ma église njo munenda kujifuchika kule. Bon, je ne sais pas ce que vraiment on vous dit dans les églises, Dieu. De toute façon, depuis munenda kule ma église aussi, ma bunyumba yenyewe nayo haiko tu inendelea tu ku haiko inendelea tu kuharibika. OK? Bon, mais de toute façon, tutaongea tena bile après. Kitu nitafuta kusema hivi, tutafute kuyenga majama zenye ziko en bonne santé juu tuenge inchi, OK? Et lorsque je parle de jama, je ne parle pas seulement de la famille seulement traditionnelle baba mama na batoto, je parle de toutes sortes de familles qui existent juko batoto benye biko banaishi kuba shangazi, batoto benye banaishi kuba tate, batoto benye banaishi kwenye aiko seulement bazazi yao nyo bali bazala, OK? Ça veut dire jama, famille en général, OK? Si nous ne pouvons pas construire de bonnes familles, hakuna benye hakuna inchi yenye tuta construire, OK? Divorce, je vais vous parler de divorce. Divorce ni problème mondial. Divorce haiko seulement problème tu ba congolais, OK? Et si vous regardez na papatia exemple par exemple kwenye mimi naishi hapa. Ukiangalia mu société kwenye mimi naishi hapa, divorce leo mu Amerika, taux ya divorce c'est jusqu'à 52%. Ukiangalia toa ya divorce leo kwenye mimi naishi par exemple kwa Amerika, le divorce toa ya divorce leo iko 50%. Ça veut dire il n'a passé même au-delà ya 50%. OK? Ça veut dire divorce haiko seulement problème yetu ba Congolais. OK? Problème ni divorce ni problème mondial. Chie ba Congolais njo tushafanya on dirait divorce on dirait ni kitu yenye iko on dirait mtu akifanya divorce on dirait ni aliyeshue maisha. Non. Divorce haiko kueshue maisha. Divorce haiko kitu ya kusikilia haya tuko mu monde évolué. Il faut seulement comprendre divorce mu façon ingine leo. Vous comprenez? Moi, je voulais un peu dire ceci. Niltafta kongeza kama. La façon dont nous, maintenant, Africains, ba Congolais, tunaendaka na divorce, njo yenye sasa probleme inaribishaka sasa maneno. Ok? Juku katala na mutu, kuko mafason mingi joani batu wabaisi kwa tena ensemble. Ok? Kuko mafason ya mingi. Divorce, statistique hapa, par exemple, kwenye mimi naishi, inasema, ile mu 50% ya divorce, yenye iko hapa mu Amerika. Ma cause za divorce. Quelles sont les causes de divorce? Cause ya divorce ya mingi, parmi les deux premiers, ni problème ya finance na problème ya sexe. Ok? Bile vitu bingine binakuya après, peut-être incompatibilité, bile vitu bingine binakuya après. Mais les deux majeurs éléments yenye ina conduire divorce, ni problème ya sexe, na problème ya finance, OK? Na tukirudia même mu communauté tu ya ba Congolais, utasikia ma divorces za mingi ziko basé sur ile seul ma même problème. Ma problème ya ma franka, utasikia seme oh franka banapigania ma franka ya batoto, oh mwanamke depuis anja kutumika, bwana hatumikake. Donc unakutana na ile ni ma même problème zenye ziko basé sur ma finance, OK? Deuxièmement, utakutana ni ma même problème aussi yenye iko basé na bitu sexuel. Utasikia seme oh papa anatrompaka ama mama alishanja kutrompe, donc papa anatoka dehors ya ma commitment yake, ça veut dire ma engagement yake sexuel moral, unasikia?
Donc, même si tu, on angalia mon communauté américaine, non angalia mon communauté, y a tu as congolais, ou t'as coûté les mêmes causes, ce sont les mêmes causes qui poussent les gens mon ma divorce. On a ce qu'il y a. Du coup, moi, je suis monogamie. Je n'ai pas choisi de faire monogamie. Je n'ai pas sexualité ingine dehors, alors que wewe na mwenza kwa mkusikiliza na vile, n'est-ce pas? Donc, sexualité, na finance, iko parmi ma leader, élément, zenye zina conduire ma divorce, presque ma communauté zote. Ok? Bon, tu n'as aussi kuongeza e compatibilité. Kuko batu ba mingi benye habiko compatible. Ok? Bon, sasa shie ma communauté yetu, tu kutana na mtu ama unakutana na mwanaume leo tu unapenda tu kumuoa. Hauyamujua, hamujuane, hamuangalie na muna gani kasi mko compatible. Est-ce que mnaweza ku travailler ensemble? Est-ce que vous pouvez être mnaweza est-ce que ma vision zenyu zinafananana? Shia tuangalia ke tena bile biyo. Tunanja tu kuangalia donc tuoe, tuoane, niolewe, juba seme nilishachelewa vraiment na mimi nitafute tu bwana nioe. Mes chers amis, nous devons être très prudents. Monde elisha changé. Les choses ont tellement changé. Les choses maintenant sont comprises différemment. Nous n'avons pas toujours à nous presser dans les mariages. Haiko kila mtu wa kwanza mwanamke kusone ku mlango yako ama mwanamke yote mwenye unaona tu wa mbie wa bimatako bya munene. Ju njo problem ya faiblesse yenyewe baba yetu na nyeli. Usho na tu mwanamke tu wa bie bimaziba bimatako na komala pale unasema ah, bibi huyu. Bibi huyu unamujua haumujue. Unajua tabia zake? Hapana. Est-ce qu'il est compatible? Haujue. Est-ce que la fille elle est mature? Est-ce qu'elle peut haujue? Unaona tu ale yeule. Kisha kesho munaenda kule binabashinda juu ulioa. Ulioa mubitu vyenye ulioa mu makritere zenye haiziko juu ya mariage. Ulioa mu sentiment. Ulioa mu loyenge. Bafie na shi tulishaka kuwa vile. Ukiona tu mwenzako barafiki yako bafie bananja kuolewa tu kidogo kidogo hivi. Oh, na wewe ifo uolewe. Na mie ifo niolewe. Kila mtu iko naolewa. Mimi ndaonekana minjo celibataire. Kila mtu alishaolewa minjo ndachelewa etu etu. Mie kila siku watu wananiulizaka pasi dama sasa utaolewa siku gani? We, mimi niolewe. Wenjo tenda kuishi na mimi mwele bunyumba. Uko unaniambia niolewe. Wenjo taishi na mimi bunyumba. Uwezo kuna niambia niolewe. Eske unajua benye mimi niko natafuta kwa mwanaume makalite ama tu sais ce que je cherche? Utatafuta kuniinfluencer niolewe namna gani? Nani alikuambia seme kuolewa ni kwenda ni kuolewa donc kwenda tu kusinyele mapapier, kusikia tu loengea kwenda kusinyele mapapier. Vous devez être prudent, vous devez être sage. Le monde a évolué tellement que nous ne pouvons plus nous jeter et investir sa vie comme ça dans n'importe quoi ou n'importe comment. Pas du tout. J'ai eu des copains dans ma vie, dans le passé. Maintenant, lorsque je regarde mes copains là, benye niliachana kanabo, mimi nasema, ah, hii bia kuolewa mmoleo wenge, hivi ungeendaka pia unaolewa tu hapo, unaolewa, kama leo nishafanya par exemple, peut-être ma divorce ngapi. Juu kiangalia bale ba copains bo uliachana kanaye, baneza kuwa ba tatu, ba ine, ba tano. Bo, unangalia, unasema, uyu nae ni kuwa tu malo wenge, masantima, o tuowane, sheri, na jetem, jetem, tuowane, tuowane, sheri, jetem, jetem. Kama leo tuko wapi. Donc, kama nishafanya tama ma divorce ine, tano, n'est-ce pas? Donc, nous devons commencer à réfléchir. Nous ne devons pas nous laisser emporter par les sentiments de tout le monde. Mutu hawezi kuolewa masantima ya batu. Hawezi kuolewa masantima ya maloyenge ya communauté, ya société, parce que la société demande ainsi. Nous devons nous marier. La société, elle dit, qui a créé ces lois-là dans la société? Ce sont les hommes et les femmes comme toi. Comme na we, on a aussi ku créer loi ya kutuna imposé mon société. Qui a créé toutes ces choses? C'est l'homme. Batu bali kalaka bakaona seme e bwana. Hivi ya kuikala kila mtu yeye peke haiko probleme. Tukamate tu mtu mwa tumutie tu pale pembe. Ce sont les hommes qui créent certaines choses. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire ici kama ah Mungu ndio alipenda ka mariage. Mungu akakrea ka mariage. Nyewe mnasoma ka Bible, mie mimi nasoma ka Bible mais je ne suis pas religieuse, mais je lis tout ce qui existe. Mungu akakrea ka mariage. Dieu a créé la famille, la première institution au monde. C'est la famille. OK? Dieu n'a pas créé le mariage. Mariage est une institution créée par l'homme. C'est l'homme qui a créé le mariage. L'homme a créé le mariage pour traditionnel, Dieu a légalisé toute mon tradition. L'homme a créé le mariage d'État, moins de coétat, Dieu a légalisé tout coétat. Du kukuwe kama même loi yenye na suivre kama kukuwe kama banasema nini? Ça veut dire que quand même ukuwe protégé par la loi. Njo maana watu banaendaka ku mariage civil. C'est l'État qui a créé cette histoire. Mwende ku mariage civil ju au cas de quelque chose, l'État il joue ku protéger.
OK? L'église aussi est venue parce que l'église est venue après Christ. L'église est venue créer le mariage. Jésus n'a jamais amené les gens pour les marier à l'église. Le mariage de l'église, là, ça n'existe pas. C'est le business de l'église et le business de l'homme. Du mutu anje kuzisha marobe, banje kufanya ma cérémonie, banje kufanya. Donc, l'homme est dans la confusion totale lorsqu'il ça vient, ça, il a, ça, on arrive aux histoires à réfléchir comme le mariage. Dieu a créé la famille. Mungu alikrea ka famille. Hakukrea ka mariage. Mariage, c'est l'invention de l'homme. Et jusqu'à point que moi, je peux comprendre certaines choses, moi, je peux toka pour ma émotion, il y a quoi, je peux faire tout bitu à société, société n'a sema yivi tufanyi, société n'a fanyi yivi tufanyi. Vous allez rien comprendre et vous allez souffrir dans les choses là que nous allons nous mettre, ni ma mariage. Parce que vous vous mettez dans les choses dont vous ne comprenez pas les fonctions. C'est ça le vrai problème. OK? Moi, je vais vous encourager vraiment, badada surtout, ba mingi. Pourquoi, mina, nikisema hii sije mingi ya badada, ya mariage, mina penda mingi kuinterpeller badada. Jua nini? Parce que la femme, c'est la fondation de la société. Chie njo fondation ya société. Ça veut dire, nous devons nous instruire avant tout zani, kama tuta instruire batoto kesho, juu bakwe, banaume, bana banamuke ba kesho. Nous devons nous instruire. La femme congolaise aujourd'hui, elle est seulement dans la futilité et dans les choses des églises. Mon appel à tout bitu église. Depuis mon copain, mon assomma qu'à tout livre moya, ni Bible, Bible, Bible. Mais la, vos réalités aujourd'hui de la vie, ce n'est pas la réalité des Bibles. Bible, vos réalités à ma Bible, il y a 2000 ans passés. Les réalités de la vie aujourd'hui n'ont rien à foutre avec les Bibles. Uko na maprobleme mbunyumba, uko na maprobleme na bwana, uko na maprobleme ya batoto, uko na nini, kila siku ni aleluya, aleluya, aleluya na Yesu. Hapana dada. Enda kuangalia ma challenge ya binyoko na traverse ni nini, uko na besoin ya mautil gani, ya kompetansi ya maisha, ya kompetansi ya mapenzi, ya makompetansi ya kukupanse, uende kujisaidia. Okay? Aleluya, aleluya na Yesu, ui aleluya na Yesu, me Yesu ye peke hakuowaka. OK? Oh unapana yote hii problème ya nyumba yako unaipana kwa mikono ya Yesu. Me Yesu akuoaka. Lui même s'est pas marié. Yeye haiko ase alikuwa duru. Hakuoeshaka mtu kwa église. Yesu akuoeshaka mtu kwa église. Yeye peke akuoaka. Yesu yeye peke akuoaka hata na girlfriend. Sasa wewe unakamata maproblem yako ya nyumba unapatia mu mikono ya Yesu. Yesu yeye peke akuoaka na bunyumba. Vous allez interpréter mal les choses ici parce que la plupart de vous, vous êtes des sentimentaux. On t'a dit que c'est ma soeur, l'itouka na Yesu. Non, je vous dis la vérité des choses. Vous pesez vos vies aujourd'hui avec la vie qui existait 2000 ans passés. 2000 ans passés, namuna gani, jou, leo tuko ma réalité ngine ya monde. Leo ni monde ya téléphone, ba papa bote bananja kwa na ma photo, ya banamuke, ya babuchi, mouma téléphone. Hein? Ni ma réalité ngine, nous sommes dans totalement d'autres réalités du monde. Wone kala ma réalité, alléluia. Papa na kuona ma photo ba ma pornographique mu ma Facebook. Ça on ingia mu prière, mu jeûne à prière. Papa nena mu salon, Aisha nja kunywa ka vin yake, anatosha ka téléphone yake, iko naangalia ba momi ba buchi kisi kuona pita pale. Leo tuko mu monde ya ma string. Ba mama bananja kuvala string ama havalai kaleson. Ba fia leo ba valake kaleson ama banavala ka string. Wewe ko ma solo ya alléluia, alléluia, kembo na Yesu. Papa iko kule kuna reve banamuke bengine gisi alionaka mbuma stringi umoe hivi kuma nini. Realite uko mu realite ingine, papa iko mu realite ingine. Me munaishi mu mariage moe. C'est ça la vérité des choses. Je vous dis la vérité des choses. Na papati exemple, jumi napenda kupeni mingi upana ma exemple ya maisha yangu mi peke. Vraiment, je n'ai aucun problème donner les exemples de ma vie. Ok? Juu, ma exemple ya maisha ni expérience. Il faut quoi na expérience maisha. Mie masawa, mie, moi je suis curieuse, j'aime regarder. Mina penda kujua bitu binapitikana mu maisha. Hapa Amerika tunakuwa na bitu banaitaka manudi ba. Njo realite yetu ya maisha ya leo. Realite yetu ya maisha ya leo haiko ya Biblia ya 2000 ans passé kwenye habakuwa kana mabar manudi ba kwenye banamke banacheza buchi. Hapa Amerika tuko na manudi ba. Banamke banacheza kabuchi kule. Okay? Mimi naenda ni kwa bon moi masiku njo sienda ke vraiment tena juni bon j'ai d'autres choses à faire. Mais à l'époque là où j'étais encore jeune dans mes 20 et 30 ans, j'allais au Nudiba. Mimi na mimi kuangalia kisi banamke banachezaka donc eh dado unaona kisi dade kuna cheza vyake vyote pale. Mimi na mimi kuangalia juu na mimi napasha kujua. Juu kesho na mimi nilikuwa na mwanaume mwenye naye anapendaka vile vitu na mimi ndafanya eh. Sina mimi ifo nijue kisi ya kufanya vile juu bwanangu na mimi naweza kumfanyia kaka dance. Mais oui c'est ça. Njo réalité ya maisha leo ile.
sina sina kwa mi sita na mnyumba bwana iko na ma sentiments zingine mie niko na mchezea haleluya kembo na Yesu ezala kate mko mnaishi ma realite zenu za maisha siku mwe hivi mine nao kule kunodiba tuliendaka na kuzini yangu tunatoka quelque part ku deposer mtu kumisa tunaenda kule kunodiba kuangalia kisi banamke banachezaka kule buchi tunafika kule tunakuta batonto ya mweglize bana kimbia eglize bana kuya mule munudi ba et en plus ça banekala ku kunani ku mabiti ya kwanza ya munudi ba banekala mbele pale kunudi ba banekala pale mugiza sasa banekala pale donc bale badada banacheza kasabuchi donc biko banakia kubachezea donc bana bafungulia migulu pale biko banaona bale batonto biko tu vile mu macho vile biko naangalia kuzinianga kaniambia se eh dama sawa si bale batonto ba eglize bale nikasema ah abo naangalia vinjo bale tukasema bwana twende kuba kwense tunaenda pale tunakashanje mafranka wetu tunaenda pale tuanze kutupatia wale tupatie wale badada buma $1 tunaenda sasa pembeni ya bale batonto sasa batuone kama tunabaona ni batonto pa mwiglize mebiko pale kunodi ba tunaenda sasa tunafika pale tunamwambia eh vous êtes ici oh bana shangala c'est eh vous aussi vous venez ici tukamwambia mais oui on vient pourquoi pas ah tukamwambia c'est oh vous aussi vous venez ici ah c'est oh non vraiment il faut dire à personne que vous nous avez vu hein musiambie mtu hata kama mlituona vraiment mfunge tu binyo na shit tukamwambia tunafunga binyo mais vous rendez compte bobi ko pale biko banaangalia banamke ba kucheza buchi me ba bibi yabo ba mama haleluya kembo na Yesu ba majene ba kulala chini oiko mu jene ya 5 jours 5 jene ya 7 jours jene ya 8 jours me ba papa biko munudi ba biko banaangalia kisi ba mumi biko banacheza buchi réalité muko mnaishi ma réalité zenye haziko zenyu mu maisha leo. Okay? Bon, si vous avez dit que vous faites manudi ba, je ne suis pas en train d'encourager les choses de gens de faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Mais niko na bambia kama hivi ya mabunyumba aussi, batu biko wanaishi. Donc uko naishi ma réalité yenye haiko yako ya maisha yako. Maisha ilisha évoluer, maisha ilisha changer. Les gens font des choses totalement différentes. Wewe uko mu vitu vingine. Alléluia, alléluia kembo na Yesu. Alléluia, alléluia kembo na Yesu. Okay? Continue muendelee ma alléluia kembo na Yesu. Mutona na de plus vous êtes dans ça, le plus babu wanenyu biko wanenda kutafuta inje, banamuke bengine, benye biko wana, biko, na biko wana batumia mafoto ya manudi, ya manudi, ya banamuke abuchi kuma telefone. Ok, badada, donc mufungule mpe mecho, c'était seulement pour vous réveiller ma macho. Ok, c'est un peu ça. Donc, je disais aussi, ok, les choses qui dérangent aujourd'hui, la plupart des gens aujourd'hui, tunanja aussi kuhuana juu ya kufanya fête. Les gens investissent tellement de l'effort. Mon investir tellement effort mon fête et à mariage. Moi je me dis toujours aucun agis mutu qu'on a préparé fête et à mariage, utajulizo nasema wow. Si au moins on investissait tout ce temps là que nous sommes en train de préparer dans les fêtes. Kuji instruire juju et bien on a kufanya mon mariage. Peut-être ma mariage na aussi naza kwa ma réussite. Utona batu banapitisha presque 6 mois biko na préparer nguo ya ba fille d'honneur ma biato ya ba baba ma biato ya ba mama makiti ifue kwe hivi chakula itakuwa hivi hivi bitakuwa hivi donc on investit tout le temps dans la fête ulia kuinvestir ma énergie ya kuji instruire juu ya kujua namuna gani utaenda kuishi mu mariage donc les mariages aujourd'hui sont fondés sur les fêtes. Nifanye fete, banione, nivale nguo, banione, na mimi nioneshe kama niliolewa, na mimi baone kama nilioa, na mimi basema seme. Donc, na banaume ba mingi aujourd'hui, la plupart de nos hommes, vous vous cachez derrière mariage, ju muonekane ndre muko batu ba responsable. Parce que beaucoup des hommes vont te dire, utona tonto wa moya mwenye haiko vraiment responsable. Anakwambia seme, ah, mko mna tu respecte chez tuko ba responsable, tuko ba on marié. Donc, on s'est dit que maintenant, on va se cacher seulement derrière les mariages pour faire comprendre aux gens que vous êtes déjà responsables. Pourquoi responsable avec quoi marié ou mwene kujikashe nyuma ya mariage? Apana. Responsable ni ma acte bien yon afanyaka. Qu'est-ce que tu fais? Hawezi kwenda kujikashe nyuma seme oh mutu respecte tuko ba responsable, mutu respecte tuko responsable alors que tu ne fais rien des gens qui sont responsables. Ok? Donc tutoke mwa ile ma concepte ya kwenda kuoa ama kwenda kuolewa kubitu byenye abiyenge byenye bitu byenye mapiège za société. On ne se marie pas pour faire plaire à ses parents. Non. La plupart de vous aujourd'hui se marie pour faire plaire à vos parents. Ku répondre ma grimace ya bazazi.
juu bazazi biko banalomba, juu basi bazazi banajuana, ndaoa ule fie, basi ndaolewa tu naye, juu bazazi balijuana ka depuis zamani, basi ndaoa mamangu anapenda nioe ule fie, basi mamangu alishaniambia tu ule fie tu njo ndaoa. Donc on se marie pour plaire aux grimaces des parents. Comment est-ce que mutajenga bunyumba? Ju sa ile sa munaenda sa ma vie normal, ile grimace ya bazazi inaisha. Ju ulisha servir grimace ya mzazi. Grimace ya mzazi ilikuwa uolewe. Bo una servir grimace yake. Unaolewa unaingia bunyumba ama unaoa unaingia bunyumba. Après ça, ile grimace unjo ta construire ile bunyumba. Haiko ile grimace njo ya mzazi njo ta construire bunyumba. Pas du tout. Mukuo mnakuwa sage. Et surtout, pas tout le monde komala. Bon, la plupart des gens aussi se marient parce qu'ils sont jeunes, hein, ils sont encore dans l'influence de leurs parents. Il y a un problème là-bas. Mais, pas tout le monde, on a vraiment beaucoup à chaque fois quand même, beaucoup aussi na âge. Âge est avancé, peut-être maturité na hana, mais il faut influencer. Mon mari, tu as dit, mais, basi maman, ou j'en appelle, ni oh, écoule, basi maman, ou alchan, pataftia, mwanamouke, basi, on ne se marie pas aux grimaces des parents. On se marie parce qu'on comprend ce qu'on veut, ce qu'on cherche, et qu'est-ce qu'on, n'abîme, on est là pour faire, comme on est là pour construire. Ok? N'abîme, quoi, na maturité, y'a qu'ujoua, qu'on manage, bitu, y'a mingi, y'a maïcha. On ne se marie pas, mouma grimace, y'a bazazi, venye, ou, si on a fika moule, moubounyomba, ou, fie, mouzima, ou l'jimarie, ju, y'a grimace, y'a bazazi, ça, on a fika moule, kila minute, na quoi, y'a kuita bazazi. Basi, mama, kuko y'a probleme, basi, nifanya ye, uko moubounyomba, me, mama yako, ama baba yako, njo, anakuwa kana jere mariage yako. On ne se marie pas pour les grimaces des parents. Pas du tout. On ne se marie pas pour les grimaces des parents. Mabunyumba aussi zingine ziko zinafanyika ni juu ya bazazi. Bazazi wengine, vraiment, mimi naambia kabatu mimi nasema, aujourd'hui on ne peut pas envoyer les filles, surtout les filles, on ne peut pas envoyer les filles au mariage parce que, façon ya, donc ma façon ya zamani, una zamani balikuwa wanaolesha wa fie par exemple parce que société ilikuwa ka construit ma façon zingine. Fie akisha nja komala, bon, banona neneza ma 13 ans, 14 ans, tant ya zamani, on envoyait pas les filles à l'université. Ok? Donc, les filles, on préparait les filles pour le mariage au temps passé. Mais matin et Léo, les choses ont évolué. Maintenant, il y a les études, il y a les femmes qui cherchent à avoir des carrières. Maintenant, on ne prépare pas les filles seulement pour le mariage. Maintenant, on prépare les filles pour l'avenir. Et l'avenir là aussi inclut le mariage. Hamuta endele na préparer Léo bafiebeni juu ya mariage. Tuko bulaya, moi je vous dis, nous tuko bulaya. Mais vous allez voir qu'il y a des parents encore qui cherchent à influencer leurs enfants jeunes. Ya kuingia mu mariage. Utona mama uko na influencer fio wako aingie mu mariage ou les filles akingaliki mu mafia mu mavia boîte de nuit. C'est normal, fio a 22 à 23 à 24. Moi j'ai fait les boîtes de nuit jusqu'à le mariage à ma 27 ans. Utona fio a 22 ans akingaliki mu maisha ya njo normal yake ile ya maisha. Iko mwa ile taa yake ya il faut aende kufete, anapenda kwenda kufete, aende hivi arudie hivi marafiki bali muita etwe tu c'est normal. Mais unaona kwa banacha kumu pressioner aende mu mariage. Sasa ule fio wako mwenye kila weekend anapendaka kwenda ku boîte ama kwenda kwa barbecue, kwenda kwa mafete. Ule fio uko namwambia aende mu mariage, unadhani mu mariage mule ataweza kuishi mule? Juu sata kwa mariage hata shanje, ni ile bado anvi yake ya kuenda kumabuati, ya kuenda kumafete, ya kuenda kuwana barafiki, ingaliki. Hamuta muampeshe ayo. Donc on n'envoie pas encore une jeune dame au mariage qui n'a pas encore ses priorités ensemble. Hajue, munyumba, anekala kamuwa kwe mama ki unajua. Na ba mama mingi tuko ba komplisi ya ma esheki ya ba fie. Mama fie anekalaka mwako, analamukaka, hajue kusukula sani, hajue kupiga, hajue kufanya kitu, me uko na mutuma ende mumariage. Kufanya nini mumariage? Juu nisha bambia pa kama mariage ni contrat ya travail. Atenda kumule mweshike, hakuna bia tafanya mule. Mutu anafikaka mwenyu ma 18, ma 15, 16, njo bafie bako banatoka kulamuka. Juu samedi usiku yote balikuwa mubara. Ok? Kenzer njo bafie banalamuka, bananja kutafuta bia kukula breakfast a Kenzer. Ule fio wa vile, saba na kia kukesho kukutokele mulango. Hapa mina wapenda kuowa huyu fio wako. Mama, eske kila mtu mwanatoki kumulango yako, anakia kutafuta kuowa fio wako, ifo kuitika. No, padi tu.
Parfois, il faut que les parents deviennent aussi des parents. Vous vous dites que apana baba ou fiyengu kukwambia vérité mina comprendre na mupenda mais utupatie un peu de temps tu me préparer tena. C'est comme ça. Ouais, je ouais maman uko consciente kama fio wako halamukake busubui. Juu sana nenda mungu nyumba, ifu alamuke busubui, akipe batoto yake, akipe nyumba yake, akipe jama yake, etu. Sasa kama hawezai kulamuka busubui mwako, sasa fika mule siyata, ile atayone inakuwa problem, inakuwa problematic. Juu ni vitu vyenye hazoe. Ça veut dire, il faut d'abord kumwambia, apana haiko taya kuolewa, juu ukingaliki mungu vingine. Ikala kwanche hivi, sasa itafika unesha choka bile vyako, juu unenda mungu nyumba. Tunaona kama vraiment aussi ma famille ingine kaka mwana anakuja kubaoea. Kaka anakuja anasonia mlango pale anapenda kuoa fio wenyu. Okay, c'est bon. Mais ule kaka mnamjua kila siku anakoka ma boîte de nuit. Kaka don anafataka don ba musicien ba kikuya muvile. Fali akikuya hapa ku DC yeye ule anafata fali. Fali akitoka kutoka ku DC anaenda Atlanta kucheza muziki ule. Kaka anamfuata Atlanta. Kaka anakimbia na kazi. Anaacha kazi anafata fali. Okay? Fali anaenda Boston, anacha kazi anafuata Fali Boston. Ule kaka haikalaki don haikalaki kila siku ni mafete 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 mafete. Okay? Ule kaka kesho anakuya anasone kwako, anatafuta kuoa fio yako na nyie bazazi mnaitika. Mnaitika. Sasa mnaitika. Ule kaka mnadhani alishachoka ile maisha yake ya kufanya fete ama ni nini? Juu bunyumba haiko tena ile maisha ya mafete. Bunyumba mnakuwa ma responsibility inakuwa saa ya kutumika. Munaanza kuzala kuko batoto banalia tututu munaona munaanza kuona watu wengine banaanza kuacha meme batoto munyumba bajuba nenda biko banakimilia mafete. Unaona mama dada mwingine alizala me fete njo priorite zake. Oh vraiment mimi ndakuwa nabakia tu hapa na batoto vraiment mie vraiment na mimi ningaliki jene na mimi ifo niende ku mafete bali niinvite ku fete. Sasa niko natafuta babysitter nisha tafuta babysitter simuone babysitter dada donc ulienda mu bunyumba kukamata ma responsabilité na bado ungaliki mtu wa mafete. Bunyumba ni siku mafete donc mulisha choka mafete mnajua sasa hapa mulikia kutumika muko hapa mutumikie sasa batoto. Vous venez construire ensemble. Le mariage c'est pour construire. Vous êtes venus construire fonder un foyer. Na kufonde ile foyer muko na batoto sasa mimi mnapasha kukomalisha na ces enfants là ont besoin de vous. Bali batoto bana besoin muko na bachia na ba babysitter kila minute. Ju maisha ya bulaya de toute façon lundi à vendredi les gens travaillent. Le week-end vous devez rester avec vos enfants. Mujue watoto wenu besoin yabo ni nini, biko na kitu gani priorité, souci yabo ni nini, tout cela, passez le temps avec vos enfants. Non, 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 weekend tena, mama nae, baba kwanja yaba kongole, weekend. Ikifika tu, samedi busubui, de tout façon, vendredi deja busubui, alisha nja tafuta kwenye takunywa, kukunywa, surtout communauté yetu yaba tu ya esti. Munapenda pombe babwana kunywa. Vendredi soir hauko kunyumba. Okay, ukisha kuya ile vendredi soir unakuya retare unalamuka tena busubui treto kisha lamukia ma 10h 11h vile ulisha tena kutafuta barafiki kuita watu ku telefone muko wapi mukuye ama mie ni kuye papa haujua kama uko na familia uko na batoto eh? Haujua kama uko na familia uko na batoto yenyu biko na besoin kuona. Même si tu ne fais rien avec tes enfants ont besoin de te voir là-bas. Dis qu'on a besoin de quoi. Donc les gens entrent dans les mariages donc haya akumaliza mama maisha yake ya kufanya mafete utona na mama naye iko pale donc mama ana mama donc hana maturité fete mama kila siku ni mafete ni barafiki kuma telefone mama haachake telefone kila siku ni barafiki kuma telefone kusema donc uko na batoto munyumba dada uko na batoto munyumba. Batoto biko na besoin ya mama, akuwe na bakipe, akuwe na bankadre, akuwe na angalie evolution ya wewe education, angalie we kila siku ni marafiki, ni mafete, ni mamoziki, ni ma kusumulia na batu chaque minute. Nous avons un problème dans nos communautés. Nous avons un problème. Megisi atupendi babiseme, kila mtu anapenda ablame mwenzake. Moi, je ne blâme personne. Je suis en train de vous dire ce qui se passe dans la communauté, dans les hommes et dans les femmes. Hakuna mtu wa kublamea wa kusema seme ni banamuke njo babaya ama ni banaume njo babaya kushinda banamuke. Non, non, non. Nous sommes tous responsables. Tuko chez vous, t'es responsable ya ce qui est en train d'arriver mui ma communauté, ma bunyumba, ma amour, ma violence. Tuko va responsable. Chez vous, nous sommes également responsables. OK?
Donc, je vous disais un peu cela, ok? Moi, je pense aussi comme éducation aussi autour, il y a habitué au mariage, il n'a pas choix de changer. Je vous ai toujours dit que l'éducation n'a pas choix de changer. L'éducation n'a pas choix de changer dans Mouragani. Regardez dans des familles, la façon dont on élève la fille et la façon dont on élève un garçon, ok? Et ça, c'est un problème, nous devons regarder ça. Tout ce que nous avons dit, juste ça, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, sentiment, je l'aime, ok? Éducation iko très important kutafuta aussi ku comprendre mtu mwenye unaolewa naye ama mtu mwenye ulioa. Okay, ama mtu mwenye mwanamke mwenye ulioa ama mwanaume mwenye ulioa naye anatoka wapi? Anatoka mjamaa gani? Éducation gani alipata? En général, si nous parlons de l'éducation, tout ce qui est éducation, on angalia déjà dès le départ mon ma famille et autres, la façon dont la fille est éduquée, les garçons sont éduqués, ce sont des façons différentes. La façon dont les garçons sont éduqués, les garçons sont éduqués de devenir des maîtres. OK? Et la fille est éduquée à devenir la bonne de l'homme. Il y a un problème. Qu'on se dit la vérité. Dès le bas âge, regardez les petits garçons, comment est-ce qu'on élève les petits garçons. Les petits garçons sont élevés, ils font rien. Ils sont là toute la journée, ils ne font rien. Akikula, anachabikumeza, akienda hivi anafanya. Donc, ils perdent tout faire. Kazi yake tu ni kujikonsentre ku bya mama somo. Mais regardez comment on élève les petites filles. Les petites filles, na kukomala, na kuanja kujua tu kusema. Tosha masani kumeza, pelekea kaka yako ile, fusukula masani, repasele kaka yako, babenyo ya kula, futia masani kumeza, tout ça, donc les filles sont déjà préparées à devenir comme si de bonnes. Je peux le dire ainsi. Mais quelque part aussi, ça aide les femmes parce qu'on nous prépare déjà pour la vie. Il y a ma vie, il y a qui la sait, on a ce qu'il y a. Donc, lorsque nous nous marions, ama nous rencontrons les partenaires. On est dans un partenaire, on a mon mariage, on a dit, on est partenaire. Nous sommes ici, nous devons travailler ensemble, nous devons construire ensemble. On a un partenaire, on a un partenaire, mais ni mutu mwenye hajue kufanya kitu chochote. Hajue ata kutosha kopo kumeza. Kutosha kopo kumeza, on dirait ni mazarau. Ah, mie nilishi munyumba baba wangu akutosha kata kopo kumeza. Wewe mwanamke unaanza kunitoshesha makopo kumeza. Wewe. Donc il trouve ça c'est un problème. Anaona ni problème sérieux kutosha kopo kumeza. OK? Donc nous d'abord femmes, nous devons comprendre d'abord lorsque nous nous mettons dans les relations avec des hommes, qui nous mettons avec qui? Nous ne devons pas aussi leur forcer les compétences qu'ils n'ont pas. C'est ça le problème. Parce que lorsque nous voulons leur forcer les compétences qu'ils n'ont pas, c'est là où tu n'arrives chacun aussi. Je blâmer. Bon, on le dit en général parce que c'est comme ça maintenant. Et nous devons maintenant regarder comment est-ce que tu n'as pas choisi évoluer, changer éducation, ça m'oubanaoume. Mais nous n'allons pas les forcer aussi les compétences qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas ces compétences. Abandonnez les compétences. Donc, ukiingia mubunyumba, unajikutana sasa uko overwhelmed, uko débordé na ma devoir, na ma obligation. Tant qu'il y a une femme, unakuta bwana, hajue kufanya kitu, hajue kitu, hajue kitu. Les papas congolais, ils ne savent rien faire. Atenda kunawa musal debe, anamwanga mai partout, sal debe kutoka kusukula, ok? Kisha sana toka mwele sal debe anarudia mule magharibi anakwambia sime boni sal debe salite bo sal debe ya buchafu hivi mwanamke mzima hajui kusukula sal debe. Alors yenjo alitoka kusukula mule anamwanga mai yote chini. Okay? Donc pour lui il est programmé dès le départ mukichwa yake kama wewe njo uko sipoze kufanya ile kazi. Sasa kama haujue, kama uko mwanamke mwenye hauna aussi maturité na una sagesse ya kujua kusumulia na partenaire wako, kumufaire comprendre les choses, angalie namuna gani uko surchargé na ma responsabilité, na umufaire comprendre mu façon ya bien kama muko mu partenariat, muna pasha ku travailler ensemble, anapasha kukusaidia. Sasa bafie bakwetu nao nchie nabo, bafie bakwetu kubambia ukweli, les filles de l'Est ni bafie bakiburi aussi. Ce sont les filles que habajua kufanya conversation na kisha kuambia une fois deux fois usikie anakuwa na kiburi. Anaanza kubudia, anaanza kubudia, anaanza kubudia. Kubudia haitaleta kitu. Haita changer kitu. Okay? Donc, savoir aussi, mushi mwangle banasemaka choose your battles. Ça veut dire kujua ku bataille gani utapiganisha na bataille gani utapiganisha. Hautapiganisha mtu bataille yenye iko deja na makompetensi ya maisha pale. Ah, oh, etu habajua kufanya kitu.
Hautaenda kuolewa na mwanamume mwenye unatafuta kumuforce ma kompetensi aijue ma kompetensi kubukubwa hata jua. Kama unapenda vraiment akusaidie, unapashwa sasa kutafuta namna gani utamufaire comprendre na kumuonesha na kumupeleka polepole jo ajue bienye atafanya. Mais la plupart d'eux ne sont pas éduqués. Habiko habana éducation, habana ile éducation yenye. Ye chie bana mukigisi nous avons été formés. Habanayo. Habanayo. OK? Niko nasemea éducation. Turudilie mon environnement kwenye batu aba batu bamingi banatoka. L'environnement aussi joue un rôle très important mu maisha ya mtu, ya development ya mtu. Muangali mu environnement, mu famille na mu environnement kwenye tunatoka. Vous allez nous dire que la plupart des gens viennent de familles brisées. Ma famille brisée, lorsque je parle de famille brisée, ma famille brisée, ce n'est pas veut dire pourquoi tout baba na mama, déjà mon onaka baba na mama. Ce sont les familles qui avaient des problèmes. Utuna mujama déjà mama na mama, donc bali décider basi kubaki ensemble du mu Congo, les gens restent ensemble malgré ça ne marche plus. Utuna batu banatoka ma famille brisée, ça veut dire alitoka mujama kwenye baba na mama hawakuwa nasikilizana, baba na mama hawasumuli yake, baba na mama ni kupigana, ni kutukanana, baba na dekushaka kila siku, baba harespekta ke mama, baba anaendaka ke mbunyuba zingine anarudia siku anapenda, mama naye akisha kuwa frustrated vile anaenda kujirefugie mu église, ba mama yetu ba Afrika balikuwa katuna jirefugie mu église. Donc utuna kutana papa délinquant anaendaka donc papa njo baba mingi ba mu Afrique baba wekale kunyumba baba hajui kujokipe na mafamia yake baba ni vile na vile donc utakutana mama naye gisi ko frustré mama naye alishaka kujifuchika mu église. La plupart des Congolais, la plupart des gens viennent de ce genre de famille. Mbosso natoka mu famille ya vile juu utakuya ku copier modèle gani juu ushimamisha yako jamaa juu modèle ya famille yuko nayo njo ile. Aba baba yetu benye tuko tunapiganisha leo tunasema baba papa hawatusaidie hawafanye hivi ni ba responsable tu etu. Ba muangalie baba yabo c'était leur modèle juu mutu modèle wake wa kwanza maisha kama ni petit garçon ni baba yake, fie modèle wake wa maisha ni mama yake d'abord. Bo bale ba papa ba modèle babo ba papa balikuwa ba nani? Baba babo ni baba wa kuzalazala inje, baba wa kuzala kuma desordre, baba wa kukimbia mbunyumba, siku anapenda anarudia, kama likuya alikuwa kutesa mama yabo, kama nini utafutana ba garso ba mingi usiba na kuambia kasi mametu aliteseka. Me baba ke njo model wake. Bon, vous voulez que lui il copie quel model joue à quoi bon mari? Juu ya kwe bon mari. C'est quel model il va copier parce que le premier model de sa vie ni baba yake. OK? Donc tu crois un peu aussi na sagesse na akili tuko tunajua batu gani tuko tuna deal nabo unasikia? Parce que souvent badada siko nabambia seme ce ne sont pas les excuses que je suis en train de donner aux gens ni aux femmes ni aux hommes, mais je suis en train de vous parler de la réalité qui existe qui pousse que tu crois na ma problème ma relation. Ce sont les vraies réalités. Njo ma réalité zenye hatupendake kuona ama kuangalia ama kudig kutuangalia quels sont les problèmes qui rongent. Leo ba papa ba mingi ba este hapa leo tuko tunasema ni ba kalevi, batu ya kukunywa, batu ya donc ba irresponsable et tout. Qui était leur modèle? Qui était leur modèle? Tunajua ba baba bo isi balikuwa ka, n'est-ce pas? Baba betu, aba na umewe tutasikia mingi unakwambia se mamangu alisufrir. Ba mingi bananja kukunyo mapombe, juu ni batoto ba mingi banatoka mu matraumatisme. Mama akisufrir, ni bambie quelque chose mujue, mama akisufrir, batoto batakuwa traumatize, avi. Oui. Njo baba ba mingine na waba komprenda ke. Uki traumatize mwanamuke, ule mwanamuke mwenye kona traumatize ule. Njo mwanamuke mwenye iko fondation ya edikasyon ya batoto yako. Bale batoto yako ni mbegu yako, donc ma seed zako. Juu bale batoto bakue batu kesho normale na bonne santé mentale, morale, émotionnelle, il faut mama yabo akue en bonne santé. Juu a transmettre ile éducation ku batoto. Sa wewe baba una oppresser mama. Mama hana kimya, mama hana amani, mama alishakuwa na depression, mama alishakuwa huruma. Tu crois qu'est-ce que la mama va transmettre aux enfants? Njo lo tushanja kuna ba papa ba mingi ba kwetu basha kuwa ba traumatize juu ba toka ma vie ya traumatisme. Basha kuwa tu ba kukunywa mapombe. Unaona mtu anakunywa kapombe anaexagere unajiuliza mais pourquoi est-ce que mtu anakunywa ka hivi tout le temps? Ni juu ya kutafuta kusabu masosi. Parce que nous les femmes
Nous sommes les gens qui parlent tout le temps. Chini batu ya kusema, ukuwa na rafiki unamwambia histoire, juu uko na souci, mais les hommes ne parlent pas. Comme ils ne parlent pas, ils meurent eux-mêmes dans avec leurs soucis. Na ile masouci yao banetia sa ma pombe. Pombe, pombe. Ma comportement ya délinquance sexuelle ni juu ya traumatisme na ma stress. Traumatisme na ma stress. Sasa wewe mwanamke kama haukomprende benye bwana wako yuko ndani, utabakia kila siku uko nalia, uko nalomba Mungu, haleluya, haleluya. Eh, nyewe bamushi mnanja kuimba nyimbo gani ile bamushi bale makango nikumbuke ile nyimbo. Aseme uli na Mungu kuli na mahanga kama imbi irenge mbingu kuli na mahanga. Mama, uko naimbia irenge Mungu kuli na mahanga kule yulu kuko na mahanga. Hapa chini maneno yanaribika bisha kushinda. Hmm? Angalia ule papa ule ni traumatize. Mtu kuna traumatisme ya butoto na traumatisme ya maisha. Ba mingi balitoka kule mumagere. Njoo maana unaona ba mingi banaanza kupiga watu mamarto hapa. Eh? Balitoka kule kumagere, balipita mumabitu wengine peut-être haukomprendre. Biko na matraumatisme ya maisha. Anafika hapa iko na matraumatisme yake. We ule naye mnaanza naye kukamatana, kutukana na kudiskite kila siku. Mais c'est un malade. Il est malade. Il faut attoquer moi les traumatismes. Mutu wanasema c'est tout à fait dada. Oui, hein, vraiment. Douce Nat, Sylvie L, Sarah Chala. Hein, mbote na biso bandeko na biso, hein? Ce n'est pas ça. Tuko nasaidiana tu. N'est-ce pas? Tuko tunasaidiana tu comme ça tuanze kujua namna gani tutaaider aussi communauté iende mbele. Haiko vile. OK? Les gens sont traumatisés. Les gens viennent du traumatisme. Leur comportement montre déjà kama huyu anatoka ma traumatisme. Moi les gens, il y a des gens donc parfois kama ni barafiki ama ni ma relation amoureuse et tout et tout. Moi je connais là où je peux dire quelque chose et là où je ne peux pas dire quelque chose. Dieu me najua kama huyu pale iko ma traumatisme. Huyu ni mtu mwenye alikuwa traumatisé ama iko mbia que tout donc il faut niende naye hivi na hivi na hivi na hivi. Mtu mwenye ko traumatisé mwa anatoka ma traumatisme, hawezi enda naye mu ma façon yenye wona zania seme e bali tuambia kaseme bunyumba njoo hivi. Mwanaume ifo kumfanya hivi. Mwanaume ifo kumwambia hivi. Mwanaume ifo nini? Kisha sasa bila aujue benye partenaire wako kwako unakamata telefono unaita mamako na babako. Mama, vraiment, huyu bwana angalia benye anafanya. Angalia. Est-ce que mamako anajua maisha ule bwana? C'est toi la femme, c'est toi qui dois comprendre avec qui tu gères. Avec qui tu vis. Wanjo unapasha kumcomprendre. Wanjo unapasha kumcomprendre. Juu ule bwana haiko bwanake na mamako. Mamako haizi kukupatia conseil ya namna gani utagere bwana yako. Haiko mamako njua leolewa na ule bwana. Ule bwana c'est total, ce n'est pas ton père. Donc tutoke mpe mama vitu ingine. Mina konseya kaba batu hivi. Unaona bunyumba, mina sema ni relation. C'est une relation comme toute une autre. Il faut savoir comment marcher avec. Kama bunyumba iko, kama foyer yako, ama bunyumba yako kuna difficulté, tafuta aide professionnelle. Ok? Tuache hii mamantalite yetu, tuevolue mpe kidogo. Tuache hii mamantalite yetu ya kwanja kuita mamama, bababa, unaita shangazi, unaita jensepaki, barafiki, bananja kuambia. Haiko shangazi yako njua leolewaka kwa ule bwana. Arrêtez d'appeler les gens. Oh, ba parent, ba mariage, oh, pasteur, je ne sais pas. Bonne pasteur, wako yepeke bunyumba ke limushinda. Pasteur yepeke bunyumba limushinda. Ba pasteur ba shakwa batu ya ma sex tape. Ba pasteur ba shakwa na buma photo ba petit chéri muma telephone. Ok? Pasteur mbone yepeke bunyumba ke limushinda. Allez voir les professionnels. Surtout chez benye tuko bulaya. Il y a des professionnels qui peuvent gérer vos histoires. Djou les professionnels, djou ni mina mbiaba tout monde kona professionnel. Ou les professionnels, hakujue ni weye, hajue ni bwana yako, muta mpresente problème, il va vous répondre, il va résoudre votre problème selon les problèmes que vous avez présentés. Ok? Tandis que shangazi, kama ni shangazi yako, unazani shangazi yako atakamata pari ya bwana? Non, atakamata pari yako. Ah, ule wana sikuoneye, ule wana ajue kama weye, kama mwanamke kama weye, tulimuoleshaka tu. Ule wana kipataka bibi kama weye, ule wana naye akiita mamake. Ule mamake atakuingilia weye, no? Mamake na atakamata pari ya mtoto wake.
ule bibi depuis aliingia kamule d'abord alishanja kukukolonize ha huku ifamia yetu hawezi tena kusema kitu hapendi atete watu bakuye pale bla 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 non ce ne sont pas les, vos proches ce ne sont pas vos familles qui vous doivent gérer vos problèmes de mariage ça doit être géré par des professionnels mwende mwone ba relationship therapies mwende mwone ba shrink babambie mu déposer problème ku meza batabambia c'est quoi les problèmes et ils vont traiter les problèmes haikujua haujue ule hana sentiment yako hana sentiment ule mwingine il va vous dire les problèmes et chacun maintenant doit prendre ses responsabilités juu binatoka kwa professionnel sa mtu anakuwa mgonjwa si anaenda kuona docteur sa mtu anakuwa mgonjwa anaenda kuona mamake ampatie sijue nini mama niko nasikia huko kuna luma mimi nasikia hivi kuna luma mimi nasikia kuna luma non vous vous allez voir le docteur quelqu'un qui a étudié pour ça. Mais lorsqu'il s'agit de vos familles, tellement vos familles sont précieux pour vous, pourquoi vous n'allez pas voir les professionnels? Moi, je me demande cette question tout le temps. Pourquoi vous n'allez pas voir les professionnels? Du bonjour, va t'a diagnosé malade, yenye ina sumbua jama yako. Bonjour, va t'a diagnosé. Ok? Allez voir les professionnels. Les femmes, arrêtez d'investir. Banaume, m'arrêtez d'investir, m'ma pombe, m'ma montre, m'ma fête, tout ça, investissez. Dans l'aide professionnelle. Ok? Banamouke, moi, je vais investir dans ma make-up. Donc, dada, lishaka, quoi, tu parles, ou toi, ma make-up, papa, kale, ni ma perrique, na ma perrique, kuvala, ma sape, aende, via, rudie, ou, alors que, iko na souffrir, jamais, ke na souffrir. Leo masaki ya Louis Vuitton, leo ni masaki ya Rex, sijui na nini na mnini, kutuonesha kila siku hapa mie, masake mie, fame, fame, kama njua na baitani, ba grande dame, tusa, tusa, jamaa yako inateseka dada. Jamaa yako inateseka. Ile franka uko nauza masaki vile, ineza petata kutuma unapata 5 sections ya aide professionnelle. Ok? Investissez dans ce qui est bon pour vous. Moi, je vais investir dans mon bitou qui est aidé ma jama zenyu. Ok? Si tu es, je ne sais pas si Nikon a sema bien quoi, ama Nikon a sema, je ne sais pas comment. Hein? Non. Je vous dis seulement, moi, je vous dis ce que je vois. Ok? Je vous dis ce que je vois. Ok? Bakaka na badada, sa benye hamu ya olewa na benye muko tuko na tutaenda mwele njia ma mariage tutaenda kutafutana mabunyumba na tukale ma mariage. Lorsque vous faisiez le choix de partenaire d'un partenaire, musiko mnafanya ma choix muloyenge. OK? Fanya choix ya on choisit quelqu'un mwenye iko na ma valeur na wewe. Vous avez des mêmes valeurs. OK? Mtu mwako na ma valeur na wewe, mko na ma même valeur. Hauta choisir mtu mwenye hamuna ma valeur moya maisha. Donc wewe huko unaona vitu vingine mu façon nyingine, naye anaona ka vitu vingine mu façon nyingine. Donc wewe donc peut-être ma valeur zako wewe ma valeur zako ni monogami. Yeye ule kaka depuis hamuyaolewa hamuyaoana kata mungaliki girlfriend na boyfriend yeye iko mu polygamie grave. Donc même pas polygamie mais busharati. Aonge hapa, aonge hapa, aonge hapa, aonge kule, aonge kule. Asione fia napita ni macho, ni macho, ni macho, ni macho. Hamuna mavaler moya. Utenda kuleo na ule tuju waseme, oh, je l'aime. Je l'aime, eh? Vraiment je l'aime. Eh? Nda vraiment bale banamuke njo biko bana bale banamuke bengine njo biko bana biko wanafuata bwana yangu ule hapenda ule fie njo namtafuta ule fie njo alimutrike ule fie njo alifanya biote mpaka baende kukitanda ule fie hamu ya olewana hata angaliki copain hana respect hana valeur il n'a pas de même valeur que toi parce que quelqu'un déjà qui te montre ce qu'il est déjà au départ unaendelea na jupeleka il te respecte pas. Mtu mwenye na kurespekte hawezi kuenda kufanya vitu vyenye wewe vyenye abiko mavaler zako. Hmm? Il te respecte pas déjà. Uko déjà amyaoanaka déjà ulishanja kupiganisha déjà ba kopini bengine. Ulishanja déjà kupiganisha ba kopini bengine. Kisha sasa mnafika mariage uko unafanya sambla ondrea ukujua kama huyu papa anakuwaka hivi. Haonake fia anapita ifo angalie. Haone fia anapita ifo angalie. Haone fia anapita ifo angalie. Vous n'avez pas de même valeur. Hamna ma même valeur. Pardon. Kuo tafuta kuolewa ama kuoa mtu. OK, on se base sur les valeurs. OK? Jule ma valeur ndio itakuwa fondation ya maisha yenu itabatuma mnatembea sasa bila ma problematique za mingi. Parce que mko ma même valeur. Unajua kama mie siwezi kufanya hivi naye haiwezi kufanya hivi.
Nous regardons dans la même direction parce que ma valeur est tout à te permettre de t'engager dans une direction. OK? Donc, ce sont les valeurs. Ce n'est pas assez mais au lieu d'accord à tout monde toujours eh bon ni ou les garçons ni wa bogare en tout cas n'a quoi garçon wa mzuri mais vraiment mina mpendaka regarde comment il rit il rigole bien en tout cas vraiment bitu ananiambiaka nini on se marie pas pour ça. OK, on se marie pas pour ça. Non, on se marie pas pour ça. Bitu ya batoto ya badogo ile. Bile ni bitu ya ba copain na ba copine ça mon kingaliki bado ku école secondaire. Ça me coûte école secondaire, on a un garçon wa beau gars. Il a dit, oh, vraiment, il est beau, hein? Il est mignon, hein? Regarde, on a un comme ça, c'est mon copain, hein? Il est très mignon, il est très bon. Ça, c'est l'école secondaire. Mais lorsqu'on grandit, on se marie pas avec un homme parce qu'il est beau, hein? Il est mignon, hein? Regarde comme il parle. Ah, vraiment, t'as là-bas montré, et tout, il fait des choses pour t'impressionner. On ne se marie pas à ça. C'est pas ça qui construit, c'est pas ça qui construit mariage à ma amour. Pas du tout. OK. Bakaka, on ne se marie pas parce que ulona dada wa bimatako bia mingi, surtout nye bakaka, bile bimatako njo mulish muko muna potelea mulile mamatako. Uliona dada mwa bimatako bia mingi, yale una perdre contrôle, uko naangalia tu bile maderiere, bimavodo, bimavodo, unaenda na bifata, ale, unaingia mpaka mariage mara kubalisha, ale, oa, oa, pa! Unaoa sasa kumbe ujue kama bile matako bile unafataka kila siku bile kila mtu naye anabifataka nje iko naangalia naye kila babwana unafika leo mbunyumba na shiriki sheri aikale akimtuma kusoko alishakamata nimero ya mtu mwingine mwingine naye apresse bile mavodo tu oui sena mi je connais uko nasumulia na nani bila kwa ma probleme uko nasumulia na nani kila siku unasumulia na nani ule bado anakuitaka hapa bele bele tad kaka ulioa matako haukuoa mtu Ulioa vodo kaka, ulioa vodo. Ulikimbilia kimwili tu unaenda kujimwangia pale tu aseo, ah dada wa bien, angalia ule dada vrema, ule dada vrema, ule dada. Bana waka aba wake mwili da kakangu. C'est bien. On a tout ça, le corps, il est joli, il est beau, c'est bon. Ni attirance ya kwanza. Juu kuona mutu, il faut d'abord akuaturer dans quelque chose. Oui, mais après, il y a beaucoup de choses qui est derrière. Il y a beaucoup de choses. Ile étape ya kuatire ikishaisha. Kutakuwa sasa nini après? Kutakuwa nini après? Maintenant là, lorsque vous maintenant vous êtes en deux, il est attirant, c'est ilishaisha jusqu'au monaka alikuwa kwa bo, alikuwa kwa hivi kama ilishaisha. Maintenant lorsque vous êtes ensemble là, mnaanza kuangaliana, mon relation ilisha durer. Maintenant c'est la séduction de la tête. Parce que pour garder un homme ou garder une femme, il faut continuer à la séduire dans la tête. Mie mwanaume mwenye haezi kuniseduire kichwa, hatuwezi kuikala. Tu dois continuer à me séduire. Tu dois être intelligent. Tu dois avoir quelque chose qui continue à me séduire. Oui. Kama niko na mwanaume mwenye anekala pala nasema, mina angalia mina sema, eh, mobali nga vrema, mayele, azalaka vrema mobali, jo, vre jo. Mais oui. Unasema kwa na kwa ngalima sasa ile bo eh ile bo eh me hakuna kitu kingine no way no way tu dois continuer à séduire à la tête mwanamke oui mwanaume alikuona ka siku ya kwanza akakuona kwa mzuri uko wa kiana uko na mavodo kimwili kilisha ikala etu etu me après ça banamke bangapi biko hapa nje benye biko na bimavodo biko na bimama ziba biko na bi tusa tusa do. Donc aiko wewe tu ncho tamuimpressione ile ni look ya siku ya kwanza aliona ile mais après il faut continuer à séduire dans la tête séduction ni comportement namuna gano na jiinstruire des femmes où tu vas trouver il y a des gens qui sont dans des couples les gens qui ne sont pas instruits hamwezi kuikala kufanya conversation mu couple jo vous n'êtes pas instruits vous deux na bwana hajue kitu na bibi hajue kitu. Tandis que journée, à mon mariage, c'est qu'il a ce coup, tous les jours, comme on a fait un sexe. Pas du tout. Les gens qui sont mariés vont vous dire ici, même aux États-Unis, les statistiques montrent que, qu'on fait un sexe, mon mariage, si vous êtes mon mariage, quand maman qu'on a chance, c'est une fois par chaque 2 semaines. Du le temps n'est pas là. Vous êtes fatigué. Vous êtes au travail. Il rentre. Oh, on doit se préparer pour mettre les enfants au lit, dormir et se réveiller encore le matin pour partir et tout, et tout, et tout. Il n'y a pas le temps pour sexe. Couple c'est nafanya ka sexe vraiment nafanya sexe une fois par semaine. Donc bon bana on a vraiment comme bonjour ba champion. Bananja kufanya au moins une fois par semaine. Mais ma couple marié une fois chaque 2 semaines.
bengine mpaka bananja kutia sasa kukalandrie basi gisi atufanyake tuko tunatia tu basi mercredi kumasa tunajipatia kameme le rendezvous mercredi mercredi. C'est ça la vérité ya mon mariage. Bon, sasa, kama ile couple yenu ilikuwaka basé sur sexe, juu mulionana ka siku ya kwanza, dada Bimavodo, kaka wa Bogare, ukatombea Mureale, kwenda kusama nyama, tutu. Bo sasa, sa mshanje kala ensemble, munakuwa na maile mavia ma mariage ile. Ta hakuna, mutakuwa mnafani. Si vous n'êtes pas instruit, vous n'êtes pas instruit. Bibi hajue kitu, hana kitu mukicho. Bwana naye, hana kitu mukicho. Muna jiretuwe muko dete vide munyumba moya, hamunanga conversation, hamuna bya kusema, hamujue bya kufanya, kisha binakuwa probleme. Bwana nanja kutafuta marafiki ba inje, njo banja kumuentertain, bibi nana nanja kutafuta marafiki ba inje, banja kumuentertain, bunyumba ekomi probleme. Uko viva bunyumba, me kila siku naitaka marafiki kila inje kule. Bonjo efuba kona kusumulia na me, uko na bwana munyumba. Instruisez-vous ensemble, créez-vous ensemble. Grandissez ensemble. Hein? C'est un peu ça, mes chers amis. Njo ma problème, njo ma challenge, ma problématique za mingi zenye, batu bana kutanaka mu couple, njo zile. OK? Nakuko mabunyumba zingine aussi, ce n'est pas pour dire que njo ma problématique za batu bote zile. Nakuko mabunyumba zingine zenye, Mungu akuzifanyaka juzi kwa ensemble. Ça c'est vrai. OK? Buko mabatu, makuple zingine Mungu akuzifanyaka zikuwa ensemble. Shie peke tu mbatu ya dunia, ukaenda kujitia mukuple juu ya marezon yako, juu ulisha chelewa, juu upendi ukwe, uwe umusosete, uwe njo ya olewaka, uwe njo presyon ya famiye. Kuko makuple ingine, vous n'êtes pas supposé d'être ensemble. Unakutana dada alioa na bwana mwenye, donc kaka hakamatike. Dada anafanyaka vyote, anaeseye mpe kufanya bitu normalma kome ya jamaa, me habikamatike. Juu ule kaka alitoka mufamie ngine iko na strukture ngine ya famie yake, ama bibi naye alitoka mufamie ngine iko na strukture yake ya famie yake, donke la persone donke hakomprendre bienye uko amo. Woneza kwa ulitoka mustrukture ya familia kwa unajua kama baba, mama, batu wana kulaka busubui, unakunywa chai, muna dejene na batoto, midi, muna mkula na batoto, mangaribi, muna pasha kukala kwa mfamie mkule. Mwenzako alitoka mfamie kwenye, haba kulaki ensemble mfamie. Kwenye mtu anapitaka na njoko nyana kuliaka, kama alipita kubarafiki na njoko kulia ile istuara ya mweleke. Ule mtu avile muta konstruire na familia ye. Muta konstruire na jamaa ye. Juu hamuna konsepte moya ya maisha ya kukonstruire jamaa. Hamuna concept moya ya maisha na muna gani ilifo kuevolue votre foyer. Hamuna concept moya. Utakutana batu bawili muko mumariage me hamuna concept moya ya edukasyon ya batoto. Mama akisema hivi, baba anasema hivi. Baba anasema hivi, mama akisema hivi. Mama, donc unakutana hakuna harmonie mubienye muko munafanya. Désordre. Kuko mabitu ingine benye, kuko, nous devons devenir sages. Moi, mais na conseil ba ndugu yangu ba mingi vie. Divorce aussi aiko, ce n'est pas les mauvaises choses qui peuvent arriver à quelqu'un dans la vie. OK? Tuko aussi na tuko na évoluer, du monde na évoluer, batu ba na évoluer, bisu na évoluer mingi. Divorce aiko les pires qui peuvent arriver à quelqu'un. Pas du tout. Chie njo ba kongolenjo atujue kama divorce batu baneza kukatalana juu, hamwezi kutembea ensemble. Si on ne peut pas marcher ensemble, ce n'est pas veut dire kama tu es les plus mauvaises personnes dans la vie et moi je suis la plus mauvaise personne dans la vie. Pas du tout, ce n'est pas dit cela. Ça veut dire seulement kama hatukuweza kutembea ensemble juu tu construire association et organisation ensemble. C'est tout. Mais nous voulons diaboliser l'autre. Si ça n'a pas marché, je n'ai pas à te diaboliser toi. Hatukuweza kutumika ensemble, c'est tout. On n'a pas pu travailler ensemble. Mais je n'ai pas à te diaboliser, wewe unakuwa mtu mubaya, nianje kudiaboliser wewe kwa batoto, nianje kufanya ukwe enemy ya batoto, nianje kuambia batoto problem yangu na wewe, problem ya adulte mimi na wewe. Ça n'a rien à faire avec kama mulizala batoto. Ça n'a rien à faire. OK? Mimi ndai kugérer wewe juu wewe na mimi ndio tulikuwa na relation. Ile relation kikufa ni mimi na wewe. Sita kudiaboliser ama sitapenda na wewe ni diaboliser. Hapana. Sasa shetu shakuwa ukisha kuingia mu divorce na mtu binakuwa ule alikuwa kambaraga, ule alifanya ka hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. No. D'abord, il faut quoi? Moi j'ai dit toujours, il faut être prudent lorsque vous racontez avec des gens qui parlent toujours des mauvaises choses de leur ex. Ça ce sont des gens problématiques. Oui.
Moi, mon amour, boyfriend wangu, alikuwa marié, iko na mtoto. OK? Iko divorcé. Mais il m'a jamais parlé de quelque chose de mauvais de sa femme. Jamais maisha yake. Hayaniambiaka. Hayawezi. Peut-être aussi c'est sa façon, une façon yake. Mais aussi, moi aussi, je ne permettrai pas. C'est ce que permettre à kouye, kusalir, mwanamke mwenye aliishi naye, mama mwali muzalia watoto, siwezi kui permettre, hata kidogo. Juu habikumarche, ce n'est pas veut dire kama ule mutu c'est la plus mauvaise personne du monde. Juu, à un certain point, muliishi naye, ulimupenda kanaka kupenda. Kama muli parvenir kuishi ensemble, ça veut dire, quelque part, mulipenda naka, na kulikuwa ka harmonie, na kulikuwa ka compréhension moya, entre nyie. Haiko juu biliisha, njo sasa inakuwa seme, c'est la plus mauvaise personne du monde. Lui aussi, c'est la plus mauvaise personne du monde. Pas du tout. Tu évolues, maisha isha évolué, bandugu. Maisha isha évolué. Tunaanza kuwa nakia kuexpose kwa Facebook, ule bibi alinifanyaka hivi, ule bwana alinifanyaka hivi, ule bwana alifanyaka hivi, angalia alifanya batoto hivi, batoto kwanja alifanyaka hivi, mnaanza kudiabolize batoto, mnaanza kudiabolize batoto, ile njoo banaitaka bulozi. Juu watu baningi banazanyaka se bulozi, ase bali kumuloga, baka mutupia mbasu, bali mufanya hivi, ile njoo bulozi. Lorsque tu commences à monter les choses contre une autre personne, kama mliwachana, aende afanye maisha yake, aendelee maisha yake, na surtout kama mko na batoto. Bale batoto baneza penda mamabo aevolue aende akuwe mutu aevolue maisha yake, batoto nao batakuwa bien. Baba uko na intere yote ya kupenda ule bibi wako ex wako, aevolue aende bien juu moralement mentalement emotionnellement kama iko stable anastabilize na batoto. Oui, c'est la même chose na we mama kama ule alikuwa ka babaki na batoto yako. Oui, mulipata maprobleme ya alikudesevoir juu ulikuwa unazania seme njo tu ile mariage moya maisha yako tu moya njo ile les choses arrivent. Tu n'es pas la première et la dernière ya kufanya divorce maisha. Mais ni babaki na batoto yako. OK? Unaweza penda naye aevolue akuwe bien juu akikuwa bien batoto yako nao biko bien. Lorsque vous n'êtes pas stable, et le papa n'est pas stable dans sa tête, et la maman n'est pas stable dans sa tête, ça déstabilise les enfants. Les enfants n'arrivent pas à vous parler parce qu'ils ne veulent pas vous blesser vos sentiments. Mais ça déstabilise les enfants. Bah, tout le monde a quoi qu'à déstabiliser moi, Bile. Mubaya sana. Vous allez voir les enfants qui commencent à se comporter mal à l'école, les enfants qui commencent à se battre avec leurs amis, les enfants qui deviennent stables et qui échouent à l'école, alors qu'ils vont le croire à ma potentialité, y'a quoi en amel. Vous avez déstabilisé les enfants. Parce qu'il y a toujours une maman qui parle mauvais d'un papa et il y a toujours un papa qui parle mal de la maman. Non. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Tunaishi mabula ya patuna, on a qu'à vraiment battre wenye biko divorcé. Mais banasumuliaka. Vous avez quand même encore des enfants. Vous êtes des parents. Mwazazi mwenziwe. Gisa wanasemaka baswahili. Uni mwazazi mwenziwe. Vous n'avez pas à être que vous dites mon quoi casser barafiki et tout, mais vous avez quand même des enfants, vous avez des responsabilités. Vous pouvez toujours être des parents responsables. Mon a dit communiquer ku base ya bale batoto et mon biko aye batoto batakuya kwa kwa semaine mie niko na hii ni batoto habana hii et tout kuya kamata batoto balikuta futa biko na c'est comme ça. Comme ça, Toto, quand même, kama, les divorces n'est jamais le problème. C'est la façon dont nous les faisons qui cause problème. Du la façon dont nous le faisons déstabilise tout le monde, ça déstabilise les enfants. Du hata kama mukikatalana, batoto wanaona kama baba na mama bakingaliki na harmonie, les parents s'entendent bien, abatakuwa na souci. Batoto batakuwa na souci. Il faut toujours garantir aux enfants que hii ma probleme ni ya probleme yetu ya bakubwa, ça n'a rien à faire avec vous. Votre maman restera toujours votre maman et votre papa restera toujours votre papa. C'est tout. Ils aiment leur papa, le batoto bakia muna kufanya ma divorce na uzana kwa tellement za mubaya, batoto bakienda kwa bababu na kwa eh ule baba yenu eh inakuwa na hivi na hivi eh irresponsable anafanya ka hivi eh 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 utidi comme ça devant les enfants tous les jours. Batoto bakirudia kwa mama, mama yenu anakuwa ka hivi mbaraga musharati banaume banakia kumuona kula kule nyumba eh bere 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 bere, bere. Tu déstabilises les enfants bale batoto ule ni mamabo na bale batoto ule ni baba yabo. Kutukana ule papa ule kutukana ule mama ni kutukana mwatie yabo, unaba destabilize juu ile relation yako ya bunyumba ya masantima, ce n'est pas la même relation que les enfants ont. Les enfants ont les relations totalement différentes inaizi les zako za masantima na bababu, ama na mamabu. C'est totalement une autre relation d'amour, ça n'a rien à faire. Bon, ni relation ya amour. Bile bia ule papa likufanyaka, ama bile bia ule mama likufanyaka, ça n'a rien à faire avec ses enfants. Ils s'en foutent de ça. OK?
ni vitu yenye bakubwa mko mnajua namna gani mtakuwa mnabijere bile ile maneno. Okay, c'était pour vous dire seulement cela. Okay, basi venye balifanya ma divorce ni c'était pour vous encourager, pour vous dire aussi kama divorce haiko fin ya monde, divorce haiko échec. Non, divorce haiko échec juu kama mie niliowaka ba ex bangu ba mingi kani shafanya hata 5 divorce. Eh? Oui, quand il est là, il ex bango. Comment il a fait 5 divorces? 5 déjà. Divorce, 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 divorce. 5. Eh? Divorce, il y a un échec. Hmm? Divorce, ni seulement, ni signe que vous connaissez, ce n'est pas ça que je cherchais, ce n'est pas ici que je devais être. Ok? Comment vous essayez vraiment à vous Jumi najua kama ba mingi ya baendeka mema mariage jumu musema sema unenda kufanya divorce. Non. Surtout les femmes de chez nous. Les femmes de chez nous ne vont pas dans les mariages jumu basema sema banenda ku divorce. Non, 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 non. Banamuke bakutu banenda ku mariage jumu anajua kama ah mi nenda ngu pale na njoo kwenye. Na njoo unaona ba mingi bana sufrir nyumba juu. Alikuyaka pale juu ya kubakia na kuchunga batote yake. Na utakuta mama mingi bana sufrir nyumba juu kwa nasema sema yo basi niko hapa niko nachunga ngu tu batoto yangu. Niko nachunga ngu tu batoto yangu. Okay? Ça veut dire que haiko ke souci yabo bafanya divorce. Haiko souci yabo bafanya divorce. Mais si cela arrive munafika mpaka ku niveau ya divorce juu muliona kama mulipima vyote binaisha, haiko njoo, haiko njoo, haiko njoo échec. Non. Na tusiko tunafanya on dirait ma divorce njoo inakuwa sijia mamokeri. Non, haiko sijia mokeri divorce hapa kwa Amerika 52% ya batu bana ishia ma divorce. Na utakutana batu bengine benye bajire mariaka, utazania seme oku mbinjo lume kwa maraja ya kwanza, deuxième, troisième mariage yake njo ile. Hamutajua. Juu, ye na babaki na batoto, habakoke na probleme, ye na babuanaki na batoto, habakoke na probleme, donc bana refonde maisha, sa continue, la vie continue. Haiko esheke hata kidogo, haiko esheke hata kidogo. Ok? Ukifika mnivo yenye, ulifika mu divorce juu, uliyeseye biyote habikumashe, unapashwa senema kamata pa na rier, una restructurer maisha yako, unangalia namna gani sasa tena utaavancer. Ok? Mais ça, on avancer, mko mnaavancer, mko mnatoka mu mariage moya. Le problème aussi avec les gens de chez nous, tunatoka mu mariage, unatoka mu mariage moya, unaenda mwingine, hauende tena na sagesse ama na akili. Unaenda juu unatafuta kuprouver bwana mwenye ulikuwa naye, mabibi mwenye ulikuwa naye, kama eh, unadhani kama uliniacha njoo siwezi kuolewa. Mimi nasa tena kuolewa na mtu mwingine. No. On ne va pas dans une autre relation pour prouver à l'autre que natulite, si kuchelewa, na mimi naweza tena kuolewa, na mimi nikibaki na nipenda, niko vre sheri, niko vre jo, eh, ona, ulizaliwa uliniacha nilisha kamata bibi mwingine. No, on ne va pas au mariage parce que on veut prouver un point à l'autre. No, juu, ile bila unenda kujilansia motena, ni maisha yako tena ingine tele unenda kuanjilia kuli. Donc si tu dois encore recommencer, tu dois d'abord apprendre ma leçon gani unatoka nazo kule, bitu gani benye bikumarche, d'abord aussi même benye tuko muko mabulaya, munapasha kamata aide professionnel. Juu, ba mingi munatoka mule na bisirani. Sa munatoka mule na bisirani, hautaenda tena kujiinvestiru maisha ingine, unakutana na bwana mwingine, unaenda na bisirani vyo litoka kanabiyo zamani, ule bwana wa mupi akifanya hivi, haa, mi sipendi hivile, mile mariage nilikuwa kamo, bali nifanya kavile, bali nifanya kavile, udo unenda na bisirani. Unatoka na bisirani mwa quelque part unabipeleka fasi ngine kwenye ule mtu mwenye unakutana naye. Ina rien à faire avec ta relation passée. Unaenda kuanza kumtoshia mabisirani yote. Hmm? No, mwanaume hata nioneaka tena. Balisha nionea mingi. Unaingia mu relation mpya, unaanza kupiganisha wenyao. Ai, mwanaume hata nioneaka tena, nisha decide. Mwanaume hata nioneaka. Eh? Donc ça mon atoka ma relation vile ilikuwa divorce et tout, kama uko na probleme d'abord ile ya bisirani hauyaweza ya kujere. Juu c'est normal kukuwa na mabisirani et tout ça, c'est normal, c'est un sentiment normal. Kama tafuta aide professionnelle bakusaidie ujue gisi gani utaweza ku manage juu u move on. Usiende kwa pasteur. Oh haleluya, haleluya. Yaya iza makambi ya satana. Baza uko kombatre yo na kata libala. Baza liko kombatre yo. Mungu, nzambe ya kosala, nzambe ya kosala. Bitu ya bongo, bitu ya bongo. Bitu ya bongo, bitu ya bongo, bitu ya bongo. Ushe kalia po, hey, bali ni kombatre vremamu, hey, mariage yangu. Bali ni kombatre. Haba kupenda vremai mariage yangu, hey, resire. Dada, hakuna mwali kombatre. Tunaenda mu bitu binyatu, hatujue bitu gani tulijitia amo. C'est tout. Yes. Cool, I got it. Yes. Donc, muna comprendre. Donc, ça n'a rien à faire.
uko na maprobleme, uko na maprobleme mubunyumba, uko na maprobleme na relation na batoto etu etu, pastere iko na kupompe tu aseme ah, tiye kombati. Masero, tiye kombati. Bato wakupenda hii mariage hii existe. Bato wakupenda, tiye kombati. Niko naona batu iko na kukombatre. Bongo, dada yangu, bongo. Nous devons sortir dans ça. Nous devons chercher les compétences. Tu n'as pas cherché à ma compétence ya maisha, ma compétence ya mapendo, ma compétence ya kujinstruire mubitu mbali mbali ya maisha. Ok? Nous devons, oui, il faut kuwa na compétence ya maisha kukitu yote. Maisha ni vita. Mina mbiaba tu, maisha ni vita, ni front. On est au front tous les minutes. Na au front, tu dois être préparé, tu dois avoir tout ce qui, tous les outils nécessaires pour savoir inda ifanya ye, inda ifanya ye, inda ifanya ye. Ok? Kama una ile mautili, hautafanya kitu. Utabakia mwile maje ya kuanja kublame batu. Barafiki njoo walituma mariage yangu na rivika. Barafiki njoo walinilingilia umu. Familia haikupenda. Belle famille njoo haikupenda. Nini nini haikupenda haikupenda. Non, on n'a pas calculé tout avant de nous lancer dans cette aventure. On a pas calculé les choses avant de se lancer. Belle famille haikupenda e dada. Ulikuya kamule unanja unakuya na image ya faux. Unakuya kuzisha image de fausse izaje kama de fausse. Unakuya mule ba kupende, kujipendesha, kujipendesha, kujipendesha. Bon, ça unisha olewa. Là, cette famille-là veut que tu continues à faire ce que tu faisais avant. Juli, uliuzisha ile image ile. Vous comprenez au moins? Je pense que j'ai dit ce que je devais dire aujourd'hui. Kama kutakuwa bia kuongeza peut-être de toute façon i bia ma bunyumba bia ma amour bia ma famille bia ku renforcer ma capacité ma famille zikue en bonne santé ce n'est pas un sujet ya siku moya ni vitu ya kila siku, ce sont les choses de tous les jours, nous devons commencer à en parler ni vitu ya normal. Ok, badala benye mko ma souffrance ama bakaka benye mko ma souffrance, vous n'êtes pas seul. Ok, vous n'êtes pas seul. C'est un problème mondial. Ni kitu ya dunia yote. Haiko weye aseme o, bunyumba inanishia basi, nifanya ye, ni vitu ya haya, mie basi, mie basi, mie basi. No, haiko vitu ya haya. Tuanje jo kukomprane bine tuko na jiti ya amo. Na saa unengia mbunyumba, haiko kompetisyon na mutu. Na juu ya mingi mingi batu wa mingi munanja kuingia mbunyumba, undiro kuna fanya kompetisyon na batu. Hey, balizania sita olewa, bana kiona, mie, 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 mie. Sasa bina kushinda kule, ulie sasa ukuye kutafuta ede, bina kushinda kukia kuonda, lomba ede juu, weye ulifanyaka ile, inakuwa challenge. Unaifanya mariage, inakuwa mbunyumba, inakuwa esiji ya mokeri. Kwanja kuchekea benzako. Hey, mie niliolewaka, buwaba kuolewaka, nini, 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 haiku esiji ya mokeri dadangu. Bunyumba ni yako. Ok, kama unaolewa, bonne chance, c'est une bonne chose. Nous te souhaitons de bonnes choses, uende kukonstruire bunyumba yako, ikuwe successful, c'est une bonne chose. Haiko sija mokeri, uanja kujimokea na banye bale benye bali bakia nyuma. Juu siku na wewe inakuharibikia, bale benye ulikuwa na jimokea nabo, nao batajimokea na wewe. C'est ça le problème. Ok? Donc badada, tuendelee na saidiana. Ok, tuendelee na saidiana. Hein? Tuko napatiana bu mashauri budogo budogo. Badada ba mingi be banakuya kutuambia pase ni ba grande dame, ba grande dame. Hatubaonaki hapa bakio tusaidia na shie. Juu na shie tunakuwa na besoin ya ma conseil. Tuna besoin ma conseil ya maisha, ya ma competence ya maisha, ma competence ya nini, ma experience ya badada zilikuwa ye dada mie ba jene ba mingi, ba jene ba ma 20 ans, ba 25 ans, ba meneva bana nipenda grave. Juu bakia kuikala pembeni yangu, ah mimi na bapompa kama histoire. Mie sasa nilikuwa na age yako, njoo hivi nilionaka, njoo hivi maisha yangu ilikuwaka, njoo hivi basi. Kama uko hivi, mimi sasa nikuambia fuate maisha yangu, mimi nakupatia my experience na mimi nakwambia vitu ya kweli. Bienye mineza kusaidia ma de please. Mimi sasa shia tupataka ile chance ya kuwa na badada wale wanatuambia kalo sasa ba grande dame, ba grande dame, ba grande dame. Ba grande dame hamkiaki hata kusaidia ba petite sœur mu communauté. Mutuambie maisha namna gani napasha kukua. Tujue gisi tutaameliore maisha. Tujue gisi gani tutakuwa bafame kompetante muma amour, muma bolingo, muma bunyumba. Gisi gani tutakonstruire ma communauté forte, ma famille forte. Sinjo tunapenda hili. Basi unapenda tu ba grande dame, ba grande dame, je ne sais pas ba grande dame. Ba grande dame ifuka kwa unakio kufanya ile makazi hapa. Comme ça tusaidie communauté quand même iende mbele. Eh bwana, mimi naona sheria yangu anaingia humu zorobi lele, eh? Njo ule. Anaingia humu, eh? Papa chéri wangu anaingia humu. Ah. Ye vraiment nakwambia ni hatari. Ye. Atawaambia siku nyingine. Ananiambia kila siku, ananiambia sema sawa. Depuis nilikujua kama misi ya kusikia kwa unatomboka.
Juu watu wananijua ku imagine nyingine hapa ku Facebook eh. Ule dada Empoli wa kutukanana, ule dada wa kulalamika yetu yetu. Zoro atabambia pale. Unaona iko nanitilia makere pale. Atakuwa atawaambia mie si, si mie si diskita kenaye hata kidogo. Femme donc mwanamke mwanamke mwema. Zora ananiambia kanaambia sema sawa depuis nilikujuaka si yako na kuna tomboka mimi na kuyaka mpaka leo nione kuna tomboka juu nijue vrai face yako mais non je ne est-ce que il faut ni tomboke badala bengine mna tomboka kama unanja kutomboka dada dada unanja kutomboka donc unasirika una bude unakuwa una vimba toute la journée sasa ça sert à quoi vous n'avez pas à tout faire ça relation inakuwa kana jideterminé dès le départ mulianja aye. Dès le départ, mwenzako akianza kupandisha sauti, unaambia hebu bwana hapana, hapana ya kupandisha sauti, tuko watu wakubwa wawili tunaweza kusumulia. Oui oui. Unaja kumwaprendre comment est-ce qu'on apasha kujikomporter na wewe. On apprend les gens comment se comporter avec. Oui. Ama mwenzako akianza kutomboka na tomboka unamwambia sema hebu bwana hapana, sauna kolera yako inaisha. Utajua kisi ya kusumulia, niko de l'autre côté, comme ça utaniita tutasumulia, mais hapana kwa ile temps. Oui. Comme ça unaanja deja kupana alire ya relation yenyu na muna gani mutaikonduire. Muta kutana batu bengine mbiko mu relation, bana tumbo kianaka tumbo nyumba. Hey, waye, unazania nini? Kombe de fonda kuna kwambia vile, bele, 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 lale, kutumbo kiana, ewan. C'est depuis quand? Kusema vile, iko normal entre batu bawili benye biko mu relation ama mapenzi c'est depuis quand baba kitomboka mama unanyamaza kwanza kidogo utakiwa sumulia naye après mama kitomboka baba unanyamaza kwanza kidogo utakiwa kurezonner naye après parce que lorsque les gens sont montés siku ina ndakiwa kubaexpliquer nani cerveau ya mtu gisi natumikaka okay ndakiwa kubaexpliquer. Cerveau ya mutu inatumikaka mutu akisha kuwa monte hakuna tena bia anaweza kusikia. Donc anakuwa sa offensive. Kila yonasema naye anapasha kurepondre na alors que abies ku marché ville. Kama moya anapanda moya anapasha kushuka. Kama moya anashuka mwingine petena ile sanjo unajua sasa kujiexprimer. Mais hivi yetu hivi. De toute façon, dans les jours à venir, je vais encore revenir. Nous allons encore parler d'autres choses. Badada mouniandike ma sujet. Ba papa mouniandike ma sujet. Jumi na wambia ni sujet yenye hayezi kuisha. Ok? Mais nous devons aussi voir comment est-ce que nous pouvons marcher avec mou sagesse. Ok? Bila sagesse, hakuna binyetuneza kuenga. Ok? Bila ma famille, zenyezi kwa en bonne santé, hakuna binyetuneza. Atuwezi kuenga aussi inchi. Ok? Donc, tuko na souci aussi que ma famille aussi zikuwe forte. Mbele ya kuenga inchi for. Unasikia? Juu kama mafamia aziko ambon sante na hakuna pei yenye mutaenga yenye itakuwa ambon sante. J'espère que je n'ai offensé personne. J'espère pas que nilikuya pa kusemea tu ba papa ma ba mama. Non pas du tout. Aiko njo objectif yangu ile. Nilikuya pa juu kila mutu angalie. Angalie kenye anaweza kutosha hako na kenye anaweza kupunguza na kwenye alifanya maerere zake. Na erere, wii, kila mutu anafanya kama erere maisha. Mi siwezi kuwa hapa mu relation yenye haikumarche, niendelee tunasema tu ule garçon tu alinifanyaka mubaya, ule garçon tu alinifanyaka mubaya, ule non. Quelque part, je dois aussi me regarder, mi naangalia na mie pale nilifanyaka ma erreur zangu. Je ne devais pas faire ça, je ne devais pas être là, je me suis mis là-bas dans des mauvaises dans ilikuwa ma décision za mubaya zenye zilinituma pale. Hakuna ma décision zilinituma pale nilienda kwa ile ma relation yenye. Hakuna baby ilikuwa kapale. Nous devons aussi commencer à nous dire la vérité. Mais malheureusement, comme nous ne voulons pas nous dire la vérité, nous avons toujours tendance à blâmer l'autre. Ku blâmer toujours mwenzangu. Kama maishangu ili haribikaka ni ule bwana. Kama maishangu ili haribikaka ni ule bibi. Kama maishangu ili haribikaka, non, personne est responsable de ta vie. Tu es responsable de ta propre vie. Avant d'abord uanje kuwasema ule bwana, ule bibi aliharibisha maishangu, wewe peke d'abord ulifanya nini na maisha yako? Ulienda kuinvestir wapi? Uliinvestir mubitu yenye iko construire ama itadetruire maisha yako. Na kama unaona kama ulijitia fasi kwenye itadetruire maisha yako, dada ama kaka, toka pale. Juu hakuna mahusiano na kuforce ubakie pale. Njoo maana balifanyaka divorce. Ya personne qui te force de ubakie pale. Okay? Kama unaona kama hii njia kwenye mimi najitia haitaenda, hatutafika fasi na huyu kaka ama na huyu dada, retire toi mon frère ou bien retire toi ma sœur, recommence ta vie quelque part d'autre. Hakuna kitu inakuampeshe.
Me hautabakia mu maisha kila siku kuna blame tu mutu. Ah, kama maisha yangu iliharibika kaka, ni ule kaka. Kama maisha yangu iliharibika kaka, ni ule dada. Kama maisha yangu iliendaka hivi, kama maisha yangu. Hapana. Personne n'est responsable de ta vie, tu es responsable de ta propre vie. Kama nilikuwa ka jene, baba zazi yangu balinitumaka mbunyumba yenye sikujuaka. Kama tu menati ya adulte, tu peux prendre tes propres décisions. Je connais des femmes et des hommes, surtout des femmes. Je connais des femmes, des grandes femmes. Bana mke mwenye biko na ma plus ya ma 40 35 ans. Mais mpaka leo, influencées par leur famille, par leur mère, par leur père, elles peuvent pas prendre leurs propres décisions dans la vie. Habez comment ta décision mu maisha? Mais pourquoi tu es un adulte? Ou adulte na muna gani? Un adulte doit prendre ses propres décisions. Iki kwa bonne décision ama mauvaise décision, tu assumes. Unapasha kuassumer na unapasha kujua kisi utajiramase na unendelea. Vous êtes influencé, vous êtes influencé. Oh, ndafanya hivi juu babangu anapenda. Nilifanya hivi juu mamangu anapenda. Basi ndafanya hivi juu. No. Arrêtons un peu ça. Ok, tukomale. Na kama unaona kama ungaliki na besoin ya bazazi kila siku bako na kuinfluence, bako na kufanyia mashwa, bako na kuimpoze banaume, bako na kuimpoze banamuke, bako na kufanya ma decision ya bunyumba yako ama relation yako, park tes histoires, rentre encore chez tes parents. Ok, enda kuikala kule na bazazi yako parce que tu n'es pas encore adulte mûr pour aller fonder ta propre foyer. Hauko mûr. Rudia kukala na bazazi yako, c'est un peu ça. Dans les jours à venir, tutakutanana, mimi nadhani kama leo, nilisema quelque chose yenye, itasaidia mutu moya ama wawili, mais dans les jours à venir, maintenant, tunaweza peut-être dans les jours à venir, à part ma politique, hein. Bien sûr, priorité yangu ya kwanza ni politique, juu ifo nikuwa na ukia kubareveye politiquement, mais en même temps, on peut aussi dire des choses qui nous affectent, nous, dans la communauté. Je vais commencer à venir avec des choses, bitu kidogo, kuba faire comprendre aussi certaines choses, petit à petit, ok? À part qui pasteur tout les coups qu'il y a pasteur, alléluia alléluia kembo na Yesu, alléluia alléluia kembo na Yesu, ewana. Irenge mbingu kulina mahanga, imirenge mbingu kulina mahanga, maybe tu biko vinatushinda hapa, eh? Hatutaishi kule ku mbingu, maisha iko hapa chini. Nous devons d'abord savoir comment est-ce que nous allons arranger là où nous sommes. Nous ne savons pas arranger là où nous sommes. Nous voulons faire la relation avec des dieux que nous ne voyons pas. Vous voulez faire la relation avec Jésus que vous ne voyez pas? Ou qu'on a bwana mounyumba, ma bibi mounyumba, mais ouais, relation qu'on a Yesu? Hein? Yesu njo, njo bwana mwenye haezi kudecevoir mutu. Mais ou qu'on a bwana mounyumba? Ou qu'on a bwana mounyumba, ou qu'on amoureuse na Yesu? Ou qu'on amoureuse na Yesu? C'est vrai ça? Tiens un homme dans la maison? Hein? Ou le qu'on amoureux wa bwana yako, ou qu'on amoureux wa Yesu? Regardez-moi les choses. Comment est-ce que les choses ne marchent pas? Ça, on a tiré la musique, il parle, on a tué papa pour ma bise. On a pâti pour ma bise, chérie. On a mouflaté, on a mouflaté. Attends, comment est-ce bongo? Il faut que je joue à cause de ma bongo. Il faut que je joue à inventer ma bite ou ingine. On a tué papa pour ma bise, pour ma tatou. On est calé, on a cogné à 20. On est là, on a mouécalé, on a moutonga pour ma bise, pour tatou, pour inne. Chérie, nanga, hein? Unamtilia ka miziki pale ka kofi, unamuimbia, unamuflate. Eh? Sans yo mokilezate papa, sans yo hakuna maisha. Eh? Unamutonga bumabize, bumatatu baina, mwambia leo ndakufanya massage. Mwambia bwana boyfriend nangu kupala, tabambia. Eh? Massage, pamba, pamba. Mutakwa mnafanya sexe kila siku. Faire l'amour, ce n'est pas du sexe tous les jours. Faire l'amour, c'est aussi se dire de bonnes choses. C'est aussi se faire des câlins, des compléments. Eh? Unatonga sama mwenzako, unamufanya massage. Eh, anamfanya vrai massage. C'est aussi faire l'amour. Nye msemeshanake, hakuna harmonie bien. Munapenda kutukutanana mu mabitanda sama animal. Fuku 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 fuku. C'est quoi cette histoire? Papa na we, sa ba mama bengine basha kwa mu manyumba vile, na njoma na babi yenu biko banenda kukua babibi ya pasteur. Dada depuis alingiaka mu nyumba hasikia ke tena compliment. Papa a mwambia kata, chéri wangu ko wa bien, je t'aime ma femme, tu es une femme intelligente, tu es une femme qui travailleuse, femme toutou, en tout cas, sans toi, foyer, tu t'anguka. Vous ne dites pas ça à vos femmes. Bibi, hasikia kata bitu ya gentil kwa bwana. Ananja tu kungwasi kwa tenda kwa eglise, comme ça, sa napata kaminiti, anenda kusumulia na pasteur. Pasteur, bunyumbangu, vraiment, je ne comprends pas, bwana yangu, vraiment, on dirait, nyonake tena, et tout, pasteur, ananja kwa mbia, mais toi, tu es une belle femme.
Pasteur litoi, pasteur anaacha kumpatia mastwara pale. Avant ujue, ale bibi ananguka mama mikono ya pasteur, anakuwa mkitanda pasteur. Pasteur anaacha kukula pale. Juu papa hakujua kumaintenir masolo. Papa hakujua kumaintenir masolo. Hamjua kama ku jade dede liangukaka juu Adamu hakuwa anajua kusolola. Eh? Mwene uangalia mbibe, nyinjo mnasomaka bibe ya kulala, mnasomaka bibe na soni. Eve, alikuwa kana Adam yuma, Adam ajua kikitu. Eve anapitaka pale buchi, anaonesha mabiote, Adam yuma. Eve siku anapita tu vile, gangi ya filme. Satan iko munani, iko mu jade dede. Satan anamwambia, hey, vre sheri. Biloko, hii bitu hii, wanako anabionaka. Ase, hey, bitu gani? Ase uko vrema wa danze. Ase kweli. Ase kuya nikuoneshe mabitu moya hivi. Bibi saa wewe vrema. Hawezi kuwa tu unatula tu munyumba hivi. Nguwa nikuoneshe maboro. Satan kapita kia kamanje pale. Jua ni juu bwana yuma. Bwana munyumba hapa. Naki mama komplima. Bwana munyumba. Haambia ke mama bitu ya bien janti. Muna zanesa muna tambia bitu ya janti. Tunajua kakani bia kweli. Tunajua kakani ya bongo. Me tunapenda mubiseme. Mubiseme juu ifo tubisikie. Binakuwa natunurir. Inakuwa natunuliri maespoir. Oui. We papa sambul, hausemake tena kitu. Papa muzima, ushakuwa papa wa Yesu. Papa ushakuwa pede, uko nalilia Yesu mwenzako mwanaume. Ah, san Yesu, yora rien. Oh Yesu, leroa deroa. Yesu, deroa deroa. Papa ushaka kuwa kulilia Yesu. Uko na vremo mi pale mnyumba, papa uko amure ya Yesu. Hawa ambia kimu bibi yako bitu ya bie. He? Una gisi bibi ya mamegize bina arusha mabunyumba. Baba, papa wa Yesu, shetani iko hapo iko na nitafutia maneno. Mama, iko mungomba, alingia kama mumajene de prière. Eh? Ule muikale mukunye ka vin, mupatiane mabizi, mupatiane maestoa sheri. Ah, sa ulinionaka kwa première fois. Bilikuwa kae kwanja niapige kwanja tena lili solo. Munapiga tena mama solo. Asi, ah, wewe wacho lini draga ka hapa na weye. Munakunya masolo, munacheka, munakunya mavin, munapatiana bu massage, munapatiana mabizu, munaangalia television, munekala mu blanket. Batoto nao banapita pale banaona harmoni. Ha, mama na mama banapendana. C'est une bonne chose. Eh? Munapenda nini? Munapenda nini? Munapenda kwenda kuishi kumbinguni. Kumbinguni ya mujwe bibi nakuwaka kule. Eh? Irenge mbingu kuli na mahanga. Kuna mahanga ulishakafika kule paone. Hao ya paonaka. Nukila siku naliliaka kule. Irenge mbingu kuli na mahanga. Muende pia mukufe. Muende pia mbinguni hamupendi kukufa. Me hapa pia mudunia munapenda kusufriri. Mese kwa sako mistuari. Hmm? Kivivi fura. Eh? Haiko vile dada. Tunapenda vya bongo, marealite nya iko ya maisha yetu. No. Eh, mie joangu, ana kila siku. Mina mbiaka kama je t'aime ama yoza vre sheri. Kama ni franka, kama ni banki yangu isha panda. Juu njo vitu bie mina siyaka vya boyfriend yangu na mbiaka. Tous les jours. Oui, zo, ana ni pompa kama solo hapa grave na kuambia. Sina tata nkusikia mtu mwingine kuna niambia makomplima. Juu kianja kuniambia makomplima, de toute façon, boyfriend yangu zo, ananiambia kavile kila siku. Ujua ni sasa nisikie yako. Sasa nyiba mama benye ampatia kiba bibi yenyu makomplima. Saa upane bibi yako komplima. Saa bana mpatia komplima inje. Me, lisikio mbio mbio atatia kule inje. C'est ça la vérité, c'est ce qui se passe. Hmm? Il faut continuer à se séduire. Ok? Hmm? Boyfriend yangu anajua kama c'est lui, c'est l'homme le plus intelligent du monde. Jumina mwambiaka vile kila siku. Papa, oza, my, zo, l'homme le plus intelligent au monde, c'est lui. Oui. Et le plus beau gars du monde, ni est. Eh? Eh? Sasa, ile mama solo yote mina mwambiaka sasa. Sasa tenda inje kule, aneza ida kutafuta ka girlfriend, eh? Anatafuta ka girlfriend, eh? Ana rode rode kule. Sasa, hapa mwambia wa mkumi, sekisi mina mkumi zaka kule inje. Sena kia mtu anarudia na kimbia. Anarudia, juu, hakuna mwana mpatia makumplima kule. Na hata mpatia makumplima, sasa mimi mina mpatia. Hakuna. Eh? Badada. Tutarudilia bis dans les jours à venir. Ndakuya tena tusumulie, tusumulie sasa ma stratégie gani, eh? Juma dada wa mingi unajua mnakuwa mnasufrir, eh? Ampeni mabunyumba ikufe me. Bon, na esprit ya bien, tutasumulia dans les jours à venir. Tujue namuna gani, eh? Tutekalisha mama solo. Haiko vile. Je vous aime, je vous adore. J'espère que je n'ai offensé personne. Haiko njo motivation yangu surtout lorsqu'il s'agit ya mama tea ya société, OK? Bye bye yo.